Eh bien, c'est bon, nous sommes en direct. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous, monsieur le député Hugo Bernalicis. Vous êtes député du Nord du groupe parlementaire La France Insoumise. Merci d'être avec nous. Est-ce que, pour commencer, puisque le sujet de ce soir, ce sera la loi sécurité globale, est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pourriez nous faire une courte introduction? Qui êtes-vous? Pourquoi la politique? Alors déjà, merci de votre invitation pour ce débat en ligne. Alors j'ai déjà participé à des débats que vous avez organisés en présentiel et en physique quand les conditions le permettaient. Et c'est avec plaisir que je le fais à nouveau en visio. Donc je suis Hugo Bernalicis, député du Nord, de la deuxième circonscription du Nord. Donc géographiquement, hein, c'est un morceau de l'île, Villeneuve-d'Ascq, Ronchin, Lezennes, Mont-Saint-Barœul et la commune associée d'Hellemmes. Et je suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. J'étais attaché d'administration. Je gérais, pour être concret, la comptabilité des services de police et de gendarmerie sur tout le périmètre Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ce qu'ils appellent la zone de défense nord. Et du coup, je suis en commission des lois à l'Assemblée nationale, donc je supervise, y compris pour le compte de mon groupe et pour le compte du mouvement, les questions de justice et de sécurité. Et récemment, j'ai rendu un rapport sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, puisque j'étais président d'une commission d'enquête sur le sujet. Et évidemment, là, sur la loi sécurité globale, j'étais ce qu'on appelle le responsable, le chef de file de mon groupe sur ce texte, ce qui fait que j'ai suivi l'intégralité des débats sur 5 jours jusqu'à samedi, 6 heures du matin, pour ceux qui ont suivi. Voilà, à 5h57, j'ai fait ma dernière intervention. Ce qui n'est pas de tout repos, mais c'est la moindre des choses quand on est impliqué sur ce genre de sujet. Voilà pour faire une brève présentation. D'accord, parfait. Et bien dans ce cas-là, rentrons dans le vif du sujet. Jean-Luc Mélenchon a déclaré: reculez, monsieur le ministre, arrêtez tout ça. Et par ailleurs, il a aussi déclaré: il n'y a pas de honte à reculer lorsqu'on s'aperçoit que la voie dans laquelle on s'est engagé nuit à la patrie et à l'idée qu'on se fait de la République. La sécurité globale, pour vous, c'est quoi? Ben en fait, ils ont changé le terme. Au départ, ça s'appelait continuum de sécurité. Et comme le ministre a insisté pour que le texte initial, puisqu'en fait, il faut savoir, bon, je reprends dans l'ordre. Le texte, au départ, il est issu d'une mission d'information, c'est un travail parlementaire qui a été fait par Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot sur la question de la sécurité privée et des polices municipales et de la coordination avec l'activité de police nationale. Ils ont appelé ça continuum de sécurité. Étant entendu que la sécurité est une mission partagée par différents services publics et privés, et qu'il faudrait, donc c'est leur postulat de départ, hein, qu'il faudrait que tout ça s'organise et que les choses s'imbriquent, soient complémentaires, s'imbriquent bien les unes dans les autres. Postulat qu'on peut, voilà, qui est pas mauvais en soi, hein, même si moi j'ai un postulat de départ qui est de dire la sécurité est une mission de service public et la sécurité privée est une mission de service privé. Et d'avoir une césure très claire entre les deux. D'ailleurs, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme qui dit que la sécurité est un bien public. La question de sécurité de la République doit être l'objet d'agents publics. Bon. Donc, issu de cette mission d'information de 2018, ils ont rédigé un texte et la version la plus aboutie a été déposée en réalité sur le bureau de l'Assemblée nationale en janvier 2020. Donc, ce n'est pas un texte du tout nouveau. Mais en octobre dernier, ils ont redéposé une version qui n'a pas été publiée parce qu'en fait, il y a un délai de 48 heures avant que ce soit publié. Ils ont, dans les 48 heures, remodifié la version qu'ils étaient en train de déposer, puisqu'ils étaient en discussion avec le ministère de l'Intérieur, pour y ajouter en fait toutes les dispositions, ce qui est dans le titre dispositions diverses, c'est-à-dire le fameux article 24 notamment, mais les articles 20, 21, 22, 23, 24, donc les drones. Bon, il y a plein d'articles sur le sujet. Et donc, ils ont changé le nom de continuum de sécurité pour dire sécurité globale, pour que ça englobe la réalité de ce qu'il y a dans ce texte, c'est-à-dire bon, bah, des éléments plus larges que juste la question de l'articulation entre police municipale, qui est le titre 1, sécurité privée, qui est le titre 2, mais bien l'intégralité des dispositions qui sont là. Donc, c'est un texte qui est revenu sur le devant de la scène. Suite à l'assassinat de Samuel Paty. C'est un texte qui était là, qui était déjà déposé. Il comptait en faire quelque chose à un moment donné, ce n'est pas le sujet, c'est vrai, il comptait en faire quelque chose à un moment donné, et ils l'ont ressorti parce que le moment politique et l'actualité
médiatique du moment était l'assassinat de Samuel Paty. Et ils en ont profité pour rajouter un certain nombre de dispositions en lien avec le ministre de l'Intérieur. Alors du coup, pourquoi sécurité globale? Je ne suis pas le meilleur pour répondre à cette question, puisque le meilleur, ce serait le rapporteur lui-même ou le ministre. Moi, je pense qu'il n'y a pas de sécurité globale. D'ailleurs, ça fait un peu totalitaire comme champ lexical. Ou certains diraient globalitaire, d'ailleurs le mot existe aussi, hein. Moi je ne suis pas pour qu'il y ait une sécurité globale, je suis pour qu'il y ait un droit à la sécurité, qu'il y ait un droit à la sûreté surtout, et qu'il y ait des arbitrages sur des équilibres entre les libertés fondamentales et les besoins, les nécessités qui sont celles des mesures de sécurité et de sûreté. Bon. Notre président de groupe, Jean-Luc Mélenchon, a dit au ministre de reculer parce que l'article 24 notamment, mais il n'y a pas que celui-là, mais il a cristallisé un certain nombre de choses. Je veux dire, il est la cible de beaucoup de gens, à la fois de ceux qui contestent la doctrine du fonctionnement de la police aujourd'hui, des gens comme moi, mais pas que, et puis les journalistes, y compris des journalistes des médias dominants. Je veux dire, voilà, bon, quand vous voyez que des gens de France Télévisions qui ne sont pas particulièrement de la France Insoumise, de BFM, etc., du JDD, se mobilisent contre ce texte de loi, c'est qu'il y a péril dans la demeure, parce que cet article 24, il cristallise en lui une conception et une vision de la police qui n'est pas celle qu'on peut partager en bon républicain. C'est-à-dire que l'article, je crois que c'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, je regarderai quand vous me posez une question en parallèle, sur, c'est tout l'intérêt d'être derrière l'ordinateur, qui dit que tout citoyen peut contrôler les agents publics, ceux qui sont dépositaires d'une mission de service public, et que c'est ceux qui sont dépositaires d'une mission de service public qui doivent rendre des comptes aux citoyens. C'est typiquement le cas dans cette mission-là, et particulièrement dans la mission de police, ça doit se faire à la vue de tous. C'est d'ailleurs le sens de la circulaire de 2008 de la Direction générale de la police nationale, qui précise à tous les policières et policiers, et c'est la DGPN, il y a l'équivalent de la DGGN, leur rappelant que oui, les citoyennes et citoyens peuvent les filmer quand ils sont en intervention. Oui, on a le droit de le faire. Alors, il n'y a pas de droit à filmer en soi dans les textes, sauf pour les journalistes. Mais en tout cas, ce n'est pas empêché, et il est inscrit noir sur blanc que nous pouvons filmer les policiers et les gendarmes. Et pour une raison bien simple, c'est que la police et la gendarmerie, ou les fonctionnaires, ceux qui ont une mission de police, tirent justement leur légitimité et leur autorité du fait qu'ils le font à la vue de tous, et que ce n'est pas une police arbitraire qui fait comme bon lui semble, en cachette, etc. D'ailleurs, cette conception de 1789, elle a tranché avec quoi? Avec le régime du roi, avec les lettres de cachet, où c'était un pouvoir discrétionnaire du roi que de mettre en accusation ou d'enfermer telle ou telle personne. Et donc, contre l'arbitraire du roi, on a mis en place cette déclaration des droits de l'homme, et notamment en matière de sécurité et de sûreté. Bon. Donc, c'est une histoire longue et profonde qui est celle de la raison pour laquelle on n'interdit pas de filmer les policiers et les gendarmes. Et donc, ils sont venus là mettre une autre conception, de dire, ben voilà, à partir du moment où les villes filmées, vous mettez leurs images sur les réseaux sociaux, ça peut porter atteinte à leur intégrité psychique, puisque c'est un des termes qui est dans le délit qui est écrit, puisque c'est un délit qui est écrit avec une peine d'emprisonnement. Et du coup, comme il y a une peine d'emprisonnement, et ben vous pouvez être placé en garde à vue pendant jusqu'à 48 heures, si on vous suspecte d'avoir commis ce délit. En tout cas, si le policier analyse que vous êtes en train de commettre ce délit. Donc, ça a cristallisé énormément de choses. Et puis, il y a la question de la surveillance généralisée. Parce que quand vous mettez tous les articles bout à bout, c'est-à-dire que vous pouvez, les caméras piétons, celles qu'ils ont sur le torse, caméras ventrales, vous savez, des policiers, que celles-là pourront être raccordées à un centre de commandement pour que les images soient visualisées en direct. Que vous rattachez, que vous permettez à la police d'accéder en direct aussi à toutes les caméras RATP, SNCF, à toutes les caméras des communes, des collectivités locales. Et que vous pouvez, par le biais de ce texte, aussi faire en sorte d'être connecté aux caméras d'un certain nombre de secteurs privés, notamment les bailleurs sociaux, et vous ajoutez à tout cela le fait qu'il y a une proposition d'encadrement de l'usage des drones, et pareil, de l'usage des images des drones, pour synchroniser tout ça en temps réel avec un centre de commandement. Ça veut dire que concrètement, techniquement, on est capable de vous surveiller
Je ne dis pas qu'on va le faire tout le temps, mais on est capable de surveiller les gens quasiment où qu'ils soient, sauf chez eux, évidemment. Quoique les drones n'empêchent pas de filmer dans les parties privées, ça a été un des débats, mais on est capable de vous filmer dans l'espace public, partout, tout le temps, partout, à tout moment. Et donc, est-ce que c'est ça la société dont on veut? Je crois qu'on est un certain nombre à décrier et à pointer du doigt la dérive que cela comporte en Chine, où chacun sait que grâce à ça, couplé à la reconnaissance faciale qui est déjà déployée, déjà utilisée en France à titre expérimental, on a des outils de contrôle social qui sont extrêmement puissants et problématiques du point de vue des libertés fondamentales. Et on voit bien que ce pouvoir, où d'ailleurs nous, on nous a reproché en disant « Mais pourquoi vous faites une campagne présidentielle? Pourquoi Mélenchon annonce sa candidature alors que c'est l'état d'urgence sanitaire ?» Alors nous, on s'est défendu et on a expliqué pourquoi. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que c'est ça l'urgence? On est en plein état d'urgence sanitaire. L'urgence, c'est de faire un texte pour dire qu'il ne faut pas filmer les policiers. C'est ça le principal problème du pays. Je n'ai pas l'impression que ce soit la priorité numéro une. Pourtant, ils en font un sujet prioritaire. C'est bien qu'il y a un lien entre la question de l'acceptation de l'autorité et de l'acceptation des dispositions prises par ce pouvoir et la volonté de contrôle de ce texte. Très bien, vous êtes donc rentré dans une critique de ce projet de loi et de cette loi même, j'ai envie de dire, et surtout de l'article 24. Mais que répondez-vous, par exemple, à la difficulté palpable des forces de l'ordre à appliquer un maintien de l'ordre face à des individus de plus en plus violents, par exemple en manifestation ou dans des quartiers populaires? Alors déjà, il faut dire un certain nombre de choses. Premièrement, est-il vrai que les individus sont de plus en plus violents? Non, ce n'est pas vrai. Et c'est même le contraire. Les choses se sont relativement pacifiées sur les... depuis l'après-guerre. Comme ça, on va prendre large depuis l'après-seconde guerre mondiale. Et je vous renvoie, parce que okay, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, évidemment. Ça tombe bien, et je l'ai regardé, il est très bien fait. Il y a un documentaire qui vient d'être publié il y a 5 jours sur Public Sénat, qui s'appelle 60 ans de maintien de l'ordre, je crois, quelque chose comme ça, qui a été... notamment fait en collaboration avec Sébastien Rocher, qui est sociologue et chercheur au CESDIP, spécialiste de la question et qui a enseigné pendant 15 ans la sociologie, notamment il faisait des cours à l'école supérieure de police pour les officiers de police et les commissaires. Et ils font une analyse sur 60 ans de l'évolution de la doctrine du maintien de l'ordre en France, en Allemagne et en Angleterre. Donc, ce qui permet à la fois de voir dans le temps, mais aussi de se comparer à nos voisins, comment ils ont réagi, etc. Et il est vrai qu'à un moment particulier de notre histoire, ce qu'on appelle le maintien de l'ordre à la française, qui a fait notre grandeur à l'international, on se dit, ah oui, les Français, ils sont trop forts, c'est un moment particulier de la fin du mouvement de mai 68. Vers la fin du mouvement, avec la fameuse lettre du préfet Grimaud aux policiers, où il dit et il affirme, en tant que préfet de police, il affirme que frapper un homme à terre, c'est certes se déshonorer soi-même, mais c'est porter atteinte à l'autorité de l'intégralité de la police. La vraie difficulté, c'est que la police est de plus en plus armée, c'est de plus en plus équipée, ce qui a joué d'une forme d'escalade avec les manifestants qui fait qu'on en arrive à des scènes très violentes de part et d'autre. Très violentes de part et d'autre. Et à la fin, on se rend compte, parce qu'on a des points de comparaison aujourd'hui, que par rapport à nos voisins allemands et anglais qui ont misé à fond sur la désescalade, ils ont dit voilà, c'est ça l'objectif. Ça ne veut pas dire que ça marche dans tous les cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des manifs qui dégénèrent chez eux, etc. Mais globalement, ils ont un bilan quand même bien meilleur que le nôtre, d'abord pour leurs propres policiers, en termes de blessés, et également, évidemment, du coup, en termes de blessés parmi les manifestants qui sont très très faibles. Et cette désescalade, elle mise sur quoi? Sur la communication avec les manifestants et de ne pas considérer a priori la manifestation comme étant hostile aux policiers, et pour ce qui concerne les policiers et aux gendarmes. Et à partir de ce moment-là, c'est une autre logique qui s'instaure. Et quand on voit que le maintien de l'ordre à la française, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, où le gouvernement s'est fait déborder, c'est qu'on a été contraint, le gouvernement, je dis « on », je suis pour rien, moi, mais le gouvernement a été contraint de faire appel à des moyens de police inhabituels, c'est-à-dire de mettre des agents de sécurité publique d'habitude, et notamment des équipages de la BAC, de la brigade anticriminalité, pour faire du maintien de l'ordre. Et il y a un double mouvement. C'est-à-dire qu'à la fois, la BAC s'est mise à faire du maintien de l'ordre, alors que ce n'est pas son métier. Son métier, c'est de faire de l'interpellation. Donc, elle a fait ça, sauf que l'interpellation
c'est justement un point de cristallisation dans une manifestation qui fait que des manifestants pacifiques à l'initial prennent ça comme une agression et peuvent prendre fait et cause pour quelqu'un qui aurait cassé une vitrine, etc., qui serait en train de se faire interpeller de manière violente. C'est-à-dire que ça crée de la tension et de la radicalité de part et d'autre. Et vous avez aussi, depuis 2005 et les émeutes, dit les émeutes urbaines de banlieue, pendant que Sarkozy était au pouvoir, le fait que les CRS et les gendarmes mobiles ont été amenés à ne pas faire stricto sensu du maintien de l'ordre en manifestation comme ils le faisaient d'habitude, mais à faire de la gestion de l'émeute urbaine, qui est une autre manière de fonctionner. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, où les CRS apprennent et les gendarmes mobiles apprennent à utiliser le fameux flashball, qui se transformera ensuite en LBD. Et donc, on voit comment les deux, la gestion urbaine des émeutes et le maintien de l'ordre, ont fini par se confondre. Or, gérer une manifestation a priori pacifique, ce n'est pas du tout la même chose que de gérer des gens qui veulent venir à l'affrontement et agresser des policiers frontalement. Il y a un principe cardinal dans notre fonctionnement de la police, qui n'est pas que pour le maintien de l'ordre, mais qui est notamment pour le maintien de l'ordre, qui est celui de la proportionnalité. Et quand vous faites un usage disproportionné de la force, c'est un motif d'escalade. Et donc, ce n'est pas vrai que c'est plus violent. Je vous invite à regarder les images du début de mai 68, par exemple, vous n'allez pas être déçus, ou de quelques autres manifestations. Je pense à la manifestation contre les retraites en 95, vous n'allez pas être déçus non plus des images. Et pourtant, on ne tire pas au LBD dans les gens. Il n'y a pas une trentaine de personnes qui perdent un œil. Vous n'avez pas cinq personnes qui ont perdu une main. Pourquoi ? Parce qu'on n'utilise pas des grenades de désencerclement, parce qu'on n'utilise pas les LBD. Voilà. Est-ce que pour autant, il y a plus de blessés du côté policier ? Non. Est-ce qu'il y a plus de blessés côté manifestant ? Non, du coup, évidemment. Donc, la gestion aujourd'hui et le niveau de tension et de violence qu'il peut y avoir dans les manifestations, il est de la responsabilité du gouvernement et de la doctrine qu'il emploie. Et tout en rappelant qu'il est bien inférieur à ce qui se passait dans le passé. Et c'est tant mieux, j'allais dire, mais vraiment, c'est tant mieux, quoi. Heureusement que les manifestations sont moins violentes aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. On peut que s'en satisfaire. Et d'ailleurs, cette doctrine du maintien de l'ordre avait évolué déjà en 86 avec la mort de Malek Oussekine et qui avait provoqué la disparition de ce qu'on appelle les voltigeurs, des policiers qui étaient par deux à moto, un qui conduisait et un qui pouvait taper ils appelaient ça des bidules, là, les matraques, c'est expliqué dans le reportage, et donc qui était un truc d'interpellation, qui était une force d'interpellation et de confrontation. Et le préfet Lallemand à Paris, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé les braves M, les brigades de répression de l'action violente motorisée. C'est exactement la même doctrine. Et à la fin, ça produit les mêmes effets. On peut s'estimer heureux aujourd'hui qu'il n'y ait pas encore une mort en manifestation. Vraiment, on peut vraiment s'estimer heureux parce que je crois que les mêmes causes finissent par produire les mêmes effets. Donc, le meilleur moyen de faire en sorte que les policiers soient moins confrontés à de la tension et de la violence, c'est de changer de doctrine et de passer à des méthodes de désescalade. Et pour le coup, on a des points d'appui en Angleterre, en Allemagne, mais pas que, il y a plein d'autres pays européens qui font de la désescalade, et même en Belgique, hein, d'une certaine mesure. Et pourtant, croyez-moi, les syndicats belges ou les syndicats allemands, quand ils manifestent, ce n'est pas détendre non plus. Vous venez de me dire que justement, il n'y a pas une augmentation de la violence en réalité, et que voilà, il y a eu tout un rapport entre des pays différents au Sénat, mais une fois de plus, ça ne répond pas vraiment à la question. C'est sur Public Sénat, c'est un reportage et je vous invite à le regarder. Oui, 54 minutes, il est très bien fait, il est grand public, il est très bien, il n'est pas fait par la France Insoumise, donc ce sera parfait pour que chacun puisse se faire un avis. Et est-ce que, par exemple, si on prend les arguments des forces de l'ordre et plutôt de la droite au Parlement ou bien la droite en général, que répondez-vous à ces gens-là lorsqu'ils disent que, d'accord, il n'y a peut-être pas une augmentation des violences, mais des policiers sont tout de même violentés pendant leur activité? Comment vous faites ? Comment on fait pour tacler ce genre de problème ? On sait effectivement que dans certains cas, on utilise le visage de ces policiers-là pour pouvoir mener des représailles plus tard. Alors, c'est deux choses, sur les représailles plus tard et sur le niveau de violence et ce qu'on encaisse. Bon. Ce que disent les Allemands et les Anglais dans le maintien de l'ordre, c'est que les effectifs de maintien de l'ordre, en théorie, c'est censé être la doctrine de formation des gendarmes mobiles et des CRS. Un CRS et un gendarme mobile,
il n'est pas là pour être dans la confrontation à l'initial, il est là pour faire de la mise à distance et pour absorber des coups. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais il est là pour ben, quand il y a des pavés qui sont lancés, des machins, il a les boucliers, il se protège, et c'est tout, quoi. C'est pas parce qu'il y a un pavé qui est lancé qu'on peut faire comme au début du mouvement de mai 68, prendre le pavé et le relancer. Parce que c'était ça à l'époque. La police avait tout à fait le droit de faire ça. Et à la fin, c'était le chaos total. Et donc l'escalade. Et à la fin, ça finissait par avoir des blessés graves côté policiers et côté manifestants, surtout des morts côté manifestants, en fait, en réalité, puisque c'est le sens de l'histoire était plutôt celui-là. Donc on a dit, on est en capacité d'absorber ou d'encaisser. Qu'est-ce qui se passe dans les manifestations? Moi, j'invite ceux qui veulent, même ceux qui ne sont pas d'accord avec une manifestation revendicative et avec ce qui s'y passe, au moins une fois dans leur vie, s'il y en a qui sont sur les live Facebook, à aller participer. Bah, par exemple, samedi, il y a une manifestation. Allez-y, les gens. Allez-y, allez regarder, restez jusqu'au bout. Et observez aussi le moment où ça va dégénérer, où ça va basculer. Regardez ce qui se passe, regardez qui veut s'en prendre aux forces de l'ordre, regardez comment réagissent les policiers et les gendarmes qui sont sur place, etc. Moi, j'ai été particulièrement frappé de la manifestation en juillet dernier à Lille, celle à Lille, la deuxième contre les. Il y a eu des mouvements suite à la mort de George Floyd, des mouvements de contestation, des violences policières, de la lutte contre le racisme et les discriminations. Et la deuxième manifestation à Lille, où je suis allé, il y avait un moment, il y avait un point de crispation à Lille-Flandre. La manifestation voulait aller tout droit pour aller reprendre la rue Federbe et remonter dans les rues commerçantes, quel parcours, on va dire, classique, rue Federbe, place Général de Gaulle, et après rue Nationale pour remonter derrière. Qui connaissent Et l'île. pour ceux qui connaissent Lille, ça faisait déjà plusieurs manifestations que le préfet ne voulait pas qu'on aille dans le centre-ville, pas juste celle-là, mais y compris les manifestations avec les syndicats, pour pas gêner les commerçants. Bon, maintenant, ils sont gênés par le Covid et par le gouvernement lui-même, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et nous faire remonter directement rue du Molinier. Il y a un point de crispation. Et la manif est arrêtée. Une manif très jeune, de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir en manif. Une rangée de CRS qui sont là. Et à un moment donné, ça s'est calme. C'est assez calme. Et moi, je me rapproche des CRS en me disant, tiens, c'est calme. En plus, ça faisait déjà 2 heures que j'étais à la manif, du coup ça stagnait, j'avais d'autres trucs à faire après, il fallait que je quitte la manifestation. Donc je me rapproche de la gare des Flandres, et puis je me dis, bah, je vais passer derrière les CRS, je vais saluer tout le monde, et puis je vais sortir, je vais quitter la manifestation. Au moment où j'arrive devant le cordon de CRS, ça part en cacahuète totale, lacrymo dans tous les sens, j'ai dû moi-même me barrer en courant, avec des galets de lacrymo qui roulaient entre mes jambes. Enfin, ouais. J'ai l'habitude, hein, donc ça va, tout va bien, tout s'est bien passé pour moi. Mais le point de départ, parce que les copains ont filmé, c'est une personne frontalement à la ligne des CRS, qui s'embrouille avec un CRS. Une personne s'embrouille avec un CRS et tout le monde reçoit des lacrymos. Quand je dis tout le monde, c'est 1 500 à 2 000 personnes. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe dans la tête des 1 500 à 2 000 personnes qui reçoivent du lacrymo? Est-ce qu'ils n'ont pas un sentiment d'injustice et se disent, c'est n'importe quoi? Moi, quand je faisais des manifs étudiantes en 2007-2008, il y a toujours eu des neuneux qui boivent des coups, alors des neuneux ou des gens qui le décident politiquement. Hein. Il y en a pour qui c'est l'objectif politique que d'aller à l'affrontement. Et ce n'est pas notre objectif, ce n'est ni le mien, ni celui de mon mouvement. Et on désapprouve ça parce que ça finit toujours par desservir la mobilisation. Donc on n'est pas d'accord avec ça politiquement, ce n'est pas le sujet. Mais il y en a toujours un ou deux qui boivent des canettes et qui en balancent une sur les flics. Si à chaque fois qu'il y en a un qui balance une canette sur les flics, vous avez 2 à 3 000 personnes qui sont gazées, alors c'est une mauvaise gestion du maintien de l'ordre. Donc oui, le maintien de l'ordre, c'est aussi savoir absorber et encaisser des choses comme ça-là. Ils sont formés à ça. Il y a un centre de formation qui a été ouvert à Saint-Astier, qui est géré par la gendarmerie, qui est fait pour ça. Et donc quand vous mettez d'autres policiers de sécurité publique face aux Gilets jaunes, de la BAC, des CDI, etc., qui ne sont pas habitués à ça, et vous leur mettez des LBD dans les mains, ben oui, légitimement, ils ont peur, ils se sentent agressés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils utilisent le LBD qu'ils ont entre les mains. Voilà. Et voilà comment on est dans un système d'escalade. Et donc, ben je dis aux gens de droite, il faut assumer qu'il y ait des gens dont c'est le métier d'encaisser des coups, sans pour autant les rendre. Sans pour autant les rendre. Parce que c'est de l'intérêt général, c'est de l'intérêt de tout le monde pour éviter que la manif dégénère. Et ce qui se passait à l'époque où on utilisait subtilement le maintien de l'ordre, c'est que ceux qui voulaient passer à de l'action violente, ceux qui voulaient casser des vitrines, etc., c'est eux qui étaient marginalisés et isolés et ils n'avaient plus l'adhésion du public.
Aujourd'hui, on survalorise cette violence-là, ça passe, ça tourne en boucle sur les images de plateau télé, etc. Et donc, il y en a qui se disent, si on veut être entendu, il faut qu'on soit violent. Parce qu'il y a une responsabilité aussi, au-delà du maintien de l'ordre, du politique, à faire en sorte qu'on ne dise pas, comme Sarkozy l'avait dit à son époque, que quand les gens manifestent dans la rue, personne ne voit rien, personne n'entend rien. Parce que ça, ça veut dire que les gens qui ont manifesté pacifiquement, on leur crache à la figure et on leur dit qu'il n'y a que s'il y a de la violence que les gens peuvent être entendus. C'est ça le signal politique qui est donné. Et c'est très dangereux, et ça a été très dangereux pendant les Gilets jaunes, parce que Macron a lâché quand ? Il a lâché quand on était au cœur du mois de décembre, pendant les manifestations les plus violentes. Lançant le signal que, regardez, si vous menacez de tout cramer, si vous menacez de vous en prendre aux forces de l'ordre, si vous menacez, etc., eh ben vous aurez 10 milliards sur la table. Il a menti, les 10 milliards n'ont jamais existé, etc. Je ne vais pas vous faire le film, mais le signal politique qui a été donné, c'est celui-là. Et quand vous faites une manifestation revendicative syndicale, tranquille et peinard, à 1 million de personnes contre la réforme des retraites, on vous dit, circulez, il n'y a rien à voir, on s'en fiche. Tout le monde a une part de responsabilité là-dedans, dans le niveau de violence, d'escalade et de tension dans la société. Revenons maintenant sur votre rôle lorsqu'il s'agit des amendements et lorsqu'il s'agit de la loi en général. Comment vous êtes-vous positionné en tant que député dans l'avancée des travaux sur cette loi, ainsi que votre groupe, et comment y avez-vous contribué ? Alors, moi, ça a été compliqué pour moi parce que, en fait, il y a deux étapes, hein, pour examiner une loi. Elle passe d'abord en commission. Donc là, en l'occurrence, c'est la commission des lois qui est saisie au fond, puisque c'est de son périmètre de compétence. Il y a 8 commissions permanentes. Et donc, celles qui ont trait à la justice et à la sécurité, c'est commission des lois. Et ensuite, là, cette fois-ci, des fois, c'est une semaine sur l'autre. Là, on a eu 2 semaines entre le moment où c'est passé en commission et où c'est passé dans l'hémicycle. Et en commission, je n'ai pas pu suivre les débats, alors pour 2 raisons. Premièrement, parce que j'avais moi-même le Covid, donc j'étais confiné à la maison. Et deuxièmement, parce que même si je n'avais pas eu le Covid, en réalité, du fait du Covid, on n'avait le droit d'être en commission que de 50% de l'effectif de notre groupe. Et comme on est deux, ben 50% de deux, ça fait un. Voilà. Donc, c'est ma collègue Danielle Obono qui s'y est collée. Alors, bien évidemment, avant ça, il y a un travail en amont avec nos collaborateurs de députés, collaborateurs de groupe, pour rédiger des amendements, enfin lire le texte, expertiser, l'analyser, proposer des amendements, des échanges avec des ONG, avec des syndicats de police qui nous sont plus proches et qui acceptent de discuter avec nous, avec des gens, des militants de la France Insoumise qui sont policiers ou avocats ou magistrats, enfin qui connaissent le sujet. Et puis après, bon, bah, on mouline tout ça dans nos cervelles. On a fait une première salve d'amendements en commission, et puis ensuite on a déposé beaucoup plus d'amendements pour la séance. Et pour la séance, pour le coup, on a fait en sorte d'avoir une implication particulière du groupe assez importante. On a d'ailleurs, on le remarque dans les votes, en proportion était le groupe le plus mobilisé sur les 5 jours, en proportion de la taille de notre groupe, hein, de 17 députés. Et donc, pour moi, ça a été 5 jours harassants, parce qu'en fait, en 5 jours, je crois que j'ai passé. Je ne sais plus, j'avais fait le calcul la dernière fois, mais 48 heures ou 49 heures en séance. Et comme quand je suis là, ce n'est pas pour regarder ce qui se passe, mais pour prendre la parole, ça a été 49 heures plutôt active, avec une fin des débats comme ceux qui l'ont vu se sont terminés dans la nuit de vendredi à samedi à 6 heures du matin. Bon, sachant qu'on avait commencé le vendredi à 9 heures du matin. Hein, 3 heures de plus et on avait fait le tour d'horloge, ce qui sont des conditions de travail déplorables. Hein. Tout de suite, parce que je suis pas sûr qu'à 6 heures du mat on soit très frais pour défendre des amendements. C'est vraiment n'importe quoi. Mais là, la majorité, ils en avaient marre. De toute façon, ils reprenaient leur train le lendemain. Bon, voilà. Donc, la fin du texte a été relativement bâclée. Et ceux qui veulent regarder le replay, de toute façon, c'est sur le site de l'Assemblée nationale, donc vous avez tout loisir de le faire. Peu qu'on ait des heures à perdre à regarder ça. Mais voilà un peu comment ça s'organise. Donc moi, j'ai été le fil conducteur pour mon groupe à être présent tout le long. Et puis après, les copains du groupe sont venus soit sur les articles qui les intéressaient particulièrement, qu'ils avaient un peu plus bossé, soit quand ils avaient des disponibilités eux-mêmes. Parce qu'on n'est jamais les 17 tout le temps dans l'hémicycle. Ça n'arrive jamais. Et aucun groupe ne fait ça, parce que sinon, vous ne vivez plus, en fait. C'est pas possible. Les députés sont souvent aussi en commission, c'est ça ? Oui, alors, soit en commission, soit en circonscription, soit ils soufflent un coup, parce que en fait, c'est impossible, sauf à faire 70 heures semaine toutes les semaines.
et être un surhumain, ce n'est pas possible. Ce qui est déplorable en termes d'organisation parlementaire, puisque du coup, vous avez des images de l'hémicycle qui sont peu fournies. Sur l'article 24, j'ai reçu un mail sur Facebook de quelqu'un qui me disait: ah, monsieur le député, j'ai vu vos interventions, merci de me défendre, enfin qui était opposé à la texte de loi, hein. Merci de me défendre, mais je ne comprends pas pourquoi monsieur Mélenchon n'était pas dans l'hémicycle le vendredi soir après 21h, alors qu'il était là quasiment toute la journée, enfin, moi toute l'après-midi. Pourquoi n'était-il pas là? Je voterai plus pour lui en 2022, il fait pas son boulot de député. Bon, en fait, quand vous regardez les statistiques du président Mélenchon, c'est le président de groupe qui est le plus présent à l'Assemblée nationale et qui intervient le plus à l'Assemblée nationale. C'est mais genre au-dessus de tous les autres. C'est assez ingrat parce que moi, j'étais là sur sécurité globale, mais j'étais pas là sur le PLFSS, j'étais pas là, enfin le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pardon, j'étais pas là sur je sais plus quel autre texte il y a eu en début de semaine, j'étais pas là aussi parce que j'ai eu le Covid. Bon. Et c'est comme ça, et on tourne parce que sinon c'est impossible, c'est ingérable, quoi. Vraiment, c'est humainement ingérable. Moi, je ne peux pas faire toutes les semaines 49 heures dans l'hémicycle. C'est pas possible. Bon, et ça, c'est assez difficile à comprendre. Et si on organisait différemment nos travaux, de sorte à ce qu'il n'y ait pas des choses qui se chevauchent, peut-être que ça permettrait d'avoir un taux de présence beaucoup plus important. C'est ce qui se passe au Parlement européen. D'ailleurs, je signale pour les curieux qui s'intéressent aux comparaisons des différentes assemblées et des vies parlementaires. Au Parlement européen, vous avez des sessions. Quand il y a des sessions plénières dans l'hémicycle du Parlement européen, il n'y a rien d'autre en parallèle. Il n'y a rien d'autre en parallèle. Donc, si vous n'y êtes pas, bah, c'est que va falloir justifier parce que vous n'avez rien d'autre en parallèle. Bon. À l'Assemblée nationale, comme il faut aller au pas de course, on préfère faire tourner la boutique, je veux dire ça comme ça, à 70 ou 80 députés dans l'hémicycle pour faire passer 5 textes au lieu d'un sur la même durée, quoi. Et d'ailleurs, c'est bien que vous le dites justement, que souvent on remarque que des députés ne sont pas en assemblée. Effectivement, c'est une critique qu'on entend souvent par rapport à l'Assemblée nationale, qu'elle est vide, qu'il y a, je ne sais pas, 50 ou 60 députés. Et effectivement, comme vous l'avez mentionné, souvent les députés sont tout simplement en commission ou sur le terrain. Mais là, je suis avec vous. Regardez, on pourrait me faire le reproche. Je suis en train de discuter avec vous. Vous croyez qu'il se passe quoi là dans la séance? Alors, j'y étais, moi, j'ai pris la parole, j'ai commencé à vers 11h30 sur le texte, parce qu'on est aujourd'hui dans une journée de niche parlementaire de l'UDI. Donc, ils avaient un texte sur la justice de proximité. Moi, j'ai suivi ce texte-là. Donc, j'y étais de 11h30 à 13h, puis de 15h on a fini à 16h30. Maintenant, je suis avec vous. Vous pourrez me faire le reproche que je ne suis pas dans l'hémicycle. Sauf que si je suis tout le temps dans l'hémicycle, je ne peux pas faire de reportage avec vous, je ne peux pas aller sur un plateau télé. À un moment donné, la politique, c'est aussi de faire savoir ce qu'on fait. Sinon, ça ne sert à rien, quoi, je veux dire. À un moment... bon. Et puis, il y a aussi le fait que quand vous savez que tous vos amendements sont rejetés en permanence par avance et que vous connaissez la position de vos adversaires par avance, vous tenez un point de vue, vous êtes là, vous êtes présent. C'est-à-dire que même si je suis là avec vous, il y a quelqu'un de la France Insoumise qui est dans l'hémicycle, un de mes 17 collègues qui est là pour tenir notre point de vue. Et ce qui fait qu'on utilise tous les canaux possibles et tous nos moyens pour faire de la politique, pour expliquer, convaincre, etc. Quoi. Et ça passe à la fois. C'est une question que je voulais justement vous poser à propos des amendements. Est-ce que la France Insoumise a réussi à faire passer certains amendements ou pas? Non, aucun. Pas un seul, d'accord. Aucun. Après, on a une logique qui n'est pas. On fait assez peu ce qu'on appelle des amendements de repli. Par exemple, je ne sais plus quel article qui disait que c'était pour une durée de 5 ans. C'était, ah oui, si, voilà, je me souviens. Il y a un article qui dit que les conditions pour devenir agent de sécurité privée vont changer et que pour devenir agent de sécurité privée, quand vous êtes de nationalité étrangère, il faut que vous soyez résident français depuis au moins 5 ans. OK ? Donc nous, on est opposé à ce critère, à se dire mais non, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est quoi ce truc? Soit la personne fait l'affaire, soit elle ne fait pas l'affaire, qu'elle soit depuis 5 ans, 3 ans, 2 ans, 10 ans, 150 ans, enfin peu importe, on s'en fiche, quoi. C'est pas le sujet. En tout cas, ce n'est pas pour nous un critère de recrutement. Ça peut l'être, la critère de nationalité peut l'être sur les postes de fonctionnaires. Il y a des postes de fonctionnaires. Si vous n'êtes pas de nationalité française, vous ne pouvez pas candidater et postuler. Mais là, on parle d'agent de sécurité privée, quoi. Ça n'a pas de rapport. Bon, donc, on a fait des amendements de suppression. Et ensuite, les socialistes, eux, ont fait également des amendements de suppression, mais ils ont fait ce qu'on appelle des amendements de repli. Ils ont dit, plutôt que 5, on va mettre 3 ans.
C'est-à-dire, c'est moins pire. Et donc, ceux-là, c'est ce genre d'amendement, en général, a plus de chances de passer. On est bien d'accord. Mais nous, on a choisi de ne pas pratiquer ça, puisque si on s'oppose, on s'oppose. Enfin, voilà, c'est pas pour essayer de faire de la demi-mesure, du moins pire, du machin. Et puis bon, je vais le dire un peu hypocritement hein, et de manière cynique, on sait que les socialistes vont le faire. Nous, on va voter leurs amendements, c'est-à-dire que quand ils proposent 3 ans plutôt que 5, on va voter pour le fait que ce soit, parce qu'on pense que c'est bien que ce soit moins pire, mais on ne va pas nous-mêmes faire la démarche. Donc c'est clair que les amendements qu'on propose sont en général opposés, diamétralement opposés à ce que propose le gouvernement. Donc je comprends qu'ils ne soient pas votés et acceptés. Je veux dire, je leur en fais pas grief, mais c'est sûr qu'on va pas mettre une énergie non plus démesurée pour un résultat parlementaire et législatif qui n'est pas forcément très satisfaisant. Merci pour cette réponse. Ensuite, une autre question. La sécurité, est-ce un thème qui vous tient à cœur? Si oui, pourquoi? Et quelle est votre position sur les enjeux sécuritaires de notre pays? Ok, vaste question. Alors, je vais commencer dans l'ordre. Oui, ça me tient à cœur. Et pourquoi? Ce n'est pas un truc inné. Je ne me suis pas, pas réveillé un matin en disant « la sécurité, c'est mon truc ». Bon, peut-être que quand j'étais petit, je voulais être super-héros, mais ça n'a pas trop forcément de rapport. Et je ne voulais pas forcément être policier en devenant plus grand. Bon. Ça a été un peu le fruit du hasard, puisque moi, dans mon parcours militant, mes rapports avec la police, notamment quand j'ai été syndicaliste étudiant, c'était plutôt frontal et dans le face-à-face et à base de lacrymo et de sérum physiologique qu'autre chose. Donc, je n'étais pas destiné à m'intéresser d'aussi près aux questions de sécurité. La bascule s'est faite pour moi quand j'ai passé les concours de la fonction publique et quand j'ai dû, lors de ma formation des IRA, des Instituts Régionaux d'Administration, faire un stage pendant 2 mois et demi à l'École nationale de police de Roubaix-M. Et en fait, quand j'ai fait ce stage à l'École nationale de police, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas de l'intérieur. Et puis, j'ai eu un réflexe militant en disant mais zut, qu'est-ce qu'on propose au fait, qu'est-ce qu'on propose dans le programme? Donc, ça, c'était en 2013. Hein. Qu'est-ce qu'on propose dans le programme sur les questions de sécurité, de police et de gestion de la police? Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait, donc c'est dans l'humain d'abord, je regarde si je l'ai dans la bibliothèque là, non, je l'ai chez moi, mais je ne l'ai pas ici. Il y avait quoi? Il y avait une page et demie, deux pages, quoi. On disait, il faut une police de proximité, républicaine, proche des citoyens, et plus d'effectifs, voilà, des choses très intéressantes, mais assez banales finalement, bon, qui nous situaient à gauche, bon, mais ça ne rentrait pas dans le détail. Et je me suis dit, il y a un problème, parce que c'est une préoccupation des gens. Et ce n'est pas possible que la sécurité soit une thématique, une chasse gardée de la droite ou de l'extrême droite. Ce n'est pas vrai. D'une, ce n'est pas vrai et ce n'est pas possible. Et je prolonge la réflexion en disant, mais demain, on arrive au pouvoir, il y aura un ministère de l'Intérieur, il y aura des policiers, il y aura des gendarmes. C'est-à-dire, voilà, il y aura des militaires et il faudra bien leur faire faire quelque chose. On ne leur dira pas « oui, bah, faites ce que vous voulez, débrouillez-vous, nous, on s'occupe plutôt du social. » Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça doit et que ça va se passer. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis effectivement passionné pour cette thématique-là. Et j'ai d'ailleurs, du coup, à la fin de cette année de formation des IRA, choisi un poste au ministère de l'Intérieur. Alors, c'était sur de la comptabilité, donc sur le budget compta, ce qu'on appelle les fonctions support, mais ça m'a permis d'être dans ce milieu-là, de côtoyer des policiers, des gendarmes et les problématiques de sécurité et les chiffres particulièrement, ce qui fait que j'ai été un des co-rédacteurs du livret thématique de la France Insoumise sur la sécurité, puisqu'on avait fait le choix d'avoir un programme qui est l'avenir en commun, qui était le programme voilà, on va dire global, général, tout public. Et puis ensuite, il y avait 40 livrets thématiques pour ceux que ça intéressait de rentrer dans un thème, de savoir quelles étaient les propositions concrètes et beaucoup plus détaillées qu'on proposait pour l'élection présidentielle. En fait, c'était dans notre idée, dans notre stratégie, c'était des futurs programmes ministère par ministère, grosso modo. Hein. Alors, on ne peut pas le résumer comme ça parce que le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas que la police et la gendarmerie, c'est aussi l'administration territoriale de l'État, donc c'est un gros morceau que je connais bien aussi. Pour y avoir encore beaucoup de collègues.
Et du coup, on a fait cette réflexion dès 2016 avec un livret qui fait une trentaine de pages et qui rentre dans un niveau de détail assez important, qui parle à la fois de sécurité publique, de lutte contre le terrorisme, et de toutes les dimensions de la police judiciaire et de son fonctionnement interne et de ce qu'on veut y faire. Donc pour moi, ce n'est pas une passion que j'ai découverte à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le sujet où je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire à l'Assemblée? Bon, trou-trou, je vais prendre ce sujet-là. Non, ce n'est pas comme ça que j'ai fait. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a un facteur un peu aléa au point de départ en 2012. Quand je suis affecté en stage à l'École nationale de police, ce n'était pas prévu. Voilà, ce n'était pas prévu. Et c'est à ce moment-là où je tombe dans la marmite, pour ainsi dire, et où je me passionne pour le sujet. Et donc là, ça fait 3 ans et demi que je perfectionne finalement cette thématique de la police, et puis j'ai ajouté une corde à mon arc qui est la maîtrise des sujets judiciaires et de justice et de fonctionnement de la justice, qui comme les deux sont liés, c'est parfaitement nécessaire que d'avoir une vision d'ensemble sur ces sujets-là. Ça, c'est la raison pour laquelle moi je me suis intéressé au sujet et j'ai poussé à ça au sein du mouvement. Et ce qui fait que j'ai été un des rédacteurs coordinateurs du livret sécurité qui fait toujours foi, on va dire, dans ce qu'on pense sur les questions de sécurité. Pour ceux que ça intéresse et qui auraient du temps après à y passer et qui connaissent la revue, il y a la revue Ballast. Dans le dernier numéro de la revue Ballast, il y a un entretien croisé avec une sociologue et moi-même sur plusieurs pages, pour le coup, sur la doctrine. Sur ce qu'on pense qu'on voudrait faire de la police, y compris sous un sens de philosophie politique un peu plus idéologique et pas que pratique. Cet entretien est assez intéressant, donc je le signifie pour les curieux qui voudraient aller voir de plus près. Évidemment, le livret sécurité, il est toujours en ligne, il sera mis à jour pour la présidentielle de 2022. Et pour vous donner les grandes lignes de ce qu'on pense, de comment on pense les questions de sécurité et de sûreté, et pourquoi pour moi c'est important la sûreté. Quelle est la différence? La sécurité, c'est la sécurité pour soi, la sécurité pour ses biens, pas se faire voler, pas se faire frapper, etc. Bon, tout le monde saisit à peu près le concept. La sûreté, ça comprend la sécurité, mais ça emporte avec elle une notion assez particulière et très importante. La sûreté, c'est aussi le fait de ne pas faire l'objet de poursuites arbitraires. C'est-à-dire, c'est la sécurité aussi vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'autorité, et de ne pas être mis en cause pour rien. Et donc, c'est ça aussi qui fonde l'État de droit, la question de la sûreté. La question de la sûreté qui est un peu sur le devant de la scène, pour ceux qui ont suivi l'actualité avec ce qui s'est passé samedi dernier avec il est quoi? Il est producteur de musique, là, Michel, où on voit se faire tabasser par 3 policiers qui arrivent. Le principe de sûreté, il dit que non, ils n'ont pas le droit de faire ça, en fait. On ne met pas en cause quelqu'un de manière arbitraire. Ça paraît tellement évident. Mais sous couvert de sécurité, on peut le faire. Sous couvert de sûreté, pas. Ce n'est pas la même notion. Donc c'est important aussi qu'on rappelle ces débats Michel, qui a sémantiques. pu d'ailleurs prouver son innocence grâce aux caméras dans la boutique dans laquelle il travaillait. Exactement, grâce aux caméras et aux images qu'il a diffusées et qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, ce qui a fait accélérer la procédure administrative, puisque jusqu'à présent, tant qu'il n'avait pas mis les images en ligne, il ne se passait rien en interne à la police. Donc ça, c'est important. Et si on lit le texte de loi, les policiers, jusqu'à preuve du contraire, sont présumés innocents en matière pénale. Ils sont présumés innocents. Même si on a quand même une forte présomption de culpabilité quand on voit les images, on est d'accord. Mais c'est comme ça. Et donc, il pourrait, sur le fondement de l'article qui est prévu, du délit qui est prévu à l'article 24, il pourrait attaquer Michel pour atteinte à leur intégrité psychique, de les avoir mis en pâture sur les réseaux sociaux, c'est le terme qui est utilisé d'ailleurs par les rapporteurs Fauvergue et Thourot, et il pourrait même avoir gain de cause sur cet aspect-là. Tout en étant eux-mêmes mis en cause et ont fait des choses qui sont bon, objectivement pas dans le code de déontologie de la police, hein, comme chacun sait, et pas même dans le code pénal, puisque ce sont des infractions pénales aussi qu'ils ont commises. Donc, la sûreté, sécurité. Et notre vision, c'est de dire il faut remettre en place une police nationale républicaine de proximité. C'est important pour nous, nationale et républicaine et de proximité, ces 3 éléments qui sont extrêmement importants. National parce que
Que définissez-vous par républicain et national, justement? Je vais préciser. National, parce qu'on souhaite incorporer tous les effectifs de police municipale à la police nationale. On souhaite que les communes ne puissent plus avoir pour faire des missions communales que des ASVP, des agents de surveillance de la voie publique, si vous voyez les gens qui ont marqué ASVP dans le lot, et des gardes champêtres. Gardes champêtres parce que, certes, ce sont des policiers, mais ils ont une compétence uniquement sur les infractions au code de l'environnement, code des forêts, code de la chasse, code des environnement, forêt, chasse, je dois en oublier un, mais en gros c'est ça, leur périmètre, et que, y compris en milieu urbain, ça peut être très utile pour les dépôts d'ordures sauvages, pour l'entreprise qui fait n'importe quoi et qui rejette des trucs dans le canal ou dans la rivière à côté, le particulier qui, pareil, rejette n'importe quoi ou enfouit ses déchets de construction, enfin voilà, toutes des choses de l'atteinte à l'environnement qui peuvent être utiles et qui ont un lien très très fort avec le local. Mais du reste, on est pour les incorporer à la police nationale et pour que ces effectifs soient déployés sur le territoire en fonction des besoins. Pas en fonction de si la commune a prévu de mettre du pognon sur la sécurité ou pas. Non, en fonction des besoins de sécurité. Et de sorte à ce que ces effectifs, du coup, soient nationaux pour permettre l'égalité sur le territoire, qui est quelque chose d'assez important quand même, notamment en matière de poursuite pénale. On revient au principe de sûreté. Moi, je ne suis pas pour que ce soit qu'il y ait une police différente d'une ville à l'autre, en fonction du maire, de la couleur politique, de machin, plus ou moins répressive. Non, une police nationale, fin de l'histoire. Bon. Ça, je pense que tout le monde y est attaché et qu'on voit bien la problématique qu'il peut y avoir à municipaliser davantage la police. Et deuxième élément, police républicaine. Qu'est-ce que j'entends par républicaine? Républicaine, c'est res publica en latin, c'est la chose commune, le bien commun. Et donc, il faut pouvoir définir ce qui se dégage, c'est-à-dire la question, quelles doivent être les missions de police dans le cadre de l'intérêt général. Et c'est là où je le relie à la proximité, police nationale républicaine de proximité, où nous sommes pour réformer les CLSPD, les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, qui sont des fois des CIPD, des comités intercommunaux de prévention de la délinquance, donc c'est soit si une ou plusieurs communes, peu importe. Et on est pour faire en sorte que, donc c'est des réunions qui réunissent tous les acteurs de la sécurité au niveau local. Vous avez police nationale, vous avez le représentant du procureur, vous avez aujourd'hui donc la police municipale, le représentant des bailleurs sociaux, les clubs de prévention avec les éducateurs de rue, s'il y a un club de prêve dans le secteur. Et vous pouvez avoir d'autres acteurs comme ça qui sont là et qui participent à la question aux questions de sécurité, de paix publique et de tranquillité publique. Et donc on est pour que au moins une fois par an, il y ait une réunion plénière avec les habitants du quartier concerné, de la ville concernée, pour qu'ils puissent eux-mêmes dire quels sont leurs besoins de sécurité. Et qu'il puisse y avoir cette interaction police-population et que les gens se voient et qu'ils voient le policier qui est affecté à leur territoire. C'est le modèle, pour reprendre un modèle, on ne va pas le décalquer à l'exact, mais en tout cas, c'est une inspiration très forte. C'est ce qu'avait fait Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur sous Mitterrand, et qu'on a appelé la police, la première police de proximité, avec ce qui s'appelait l'îlotage. L'îlotage, qu'est-ce que c'est? C'est on dit à un policier, voici le territoire sur lequel tu vas faire tes missions de police, toujours le même. Ce qui fait que lui connaît les habitants et les habitants le connaissent aussi. Ce qui fait un contrôle réciproque. Il ne peut pas faire n'importe quoi parce que s'il fait n'importe quoi avec des gens qui habitent là, eh bien, il revient demain là. Donc, ben voilà, ça pousse à être un peu responsable, faire preuve de discernement, d'analyse de la situation, etc. Et inversement, comme lui, il revient toujours au même endroit, il connaît les gens. Et quand il y en a un qui fait une bêtise, il connaît son frère, son tonton, sa tata, sa sœur, machin, etc. Et donc, ça améliore la mission de police en soi. Et ce contrôle réciproque de la police sur la population, il n'y a pas de meilleur contrôle démocratique en réalité. Il n'y a pas de meilleur contrôle démocratique. Et ça s'oppose radicalement à l'autre modèle, qui était celui mis en place par Nicolas Sarkozy suite au gouvernement de la gauche plurielle quand Jospin a perdu, où il a supprimé la police de proximité. On se souvient comment il avait limogé un directeur de police parce que des policiers jouaient au rugby avec des jeunes du quartier. Moi, je me dis, finalement, quand les policiers jouent avec des jeunes du quartier, c'est que le niveau de tension est tellement faible et le niveau de violence est tellement faible qu'ils peuvent jouer ensemble. Et donc, oui, c'est ça l'objectif. Oui, l'objectif, ce n'est pas que les gens ne puissent pas jouer ensemble. C'est parce que s'ils ne peuvent pas jouer ensemble, ça veut dire que c'est la guerre. Et moi, je ne suis pas pour la guerre. Moi, je suis pour que ce soit tranquille.
Mais pour le temps, pour autant, il le fait en grande pompe, et il remet en place une doctrine qui est très étayée et pensée, qui s'appelle une doctrine, une police de projection. Donc on a fermé tous les commissariats de proximité, on a fait des grosses dentelles de police, on a rassemblé les appels du 17 sur des grosses plateformes centralisées, en disant, voilà, notre job, c'est on appelle le 17 et la police se projette, une police d'intervention et de projection. Et ça, c'est une police extrêmement répressive et qui est cantonnée à n'avoir qu'une activité répressive. Là où le policier ligotier, bah oui, des fois, il se balade, il papote, il va boire le café. Il n'est pas tout le temps en train de persécuter les gens, de leur mettre des amendes et de voir le mal partout. Et bien ça, je pense que ça fait des policiers meilleurs et qui sont mieux dans leur peau et qui se sentent plus utiles. D'ailleurs, en fait, en réalité, c'est le fonctionnement traditionnel et classique du gendarme. C'est le fonctionnement traditionnel du gendarme, parce que le gendarme, de toute façon, il n'a pas le choix. Il est dans son patelin au milieu de la campagne de nulle part. Il est caserné là, donc il est là, il est sur place. Donc finalement, bah, il connaît les gens le connaissent, il vit là, donc il fait ses courses là, et donc bah, voilà quoi. Donc, et les gendarmes n'ont pas exactement les mêmes problèmes que les policiers. Alors on peut dire que c'est le problème parce que oui, mais c'est la ville, c'est plus violent la ville, etc. Bon, quand vous regardez les statistiques de la criminalité, je dis bien la criminalité, c'est-à-dire quand il y a des assassinats, des viols, etc., à la campagne, c'est pas joli joli, hein, en proportion de la population. Donc, c'est vraiment cette conception, finalement, si on devait, parce qu'on proposait de fusionner la police et la gendarmerie, je ne sais pas si on le fera le moment venu, peut-être oui, parce que c'est une grosse réforme quand même, mais dans l'idéal, il faudrait le faire. Mais s'il y avait un modèle par rapport à apprendre sur les deux, de la police ou de la gendarmerie, je dirais plutôt le modèle gendarmerie. Plutôt le modèle gendarmerie, d'être comme un poisson dans l'eau, de bien connaître la population, de bien connaître les gens qui l'entourent. Mais pour ça, il faut y passer du temps. Faut y passer du temps. Et derrière, il faut renforcer énormément les moyens de police judiciaire pour faire des vraies enquêtes contre les trafics d'êtres humains, trafic de stupéfiants, délinquance économique et financière. Délinquance économique ou financière, j'ai rendu un rapport sur le sujet, il est en ligne, vous pouvez le regarder sur les moyens qu'on y met. On est ridicule. Des policiers spécialisés, tout service confondu, en gros, vous avez, allez, si je prends une fourchette large et je suis sympa, vous avez 900 policiers dans le pays. Policiers, gendarmes et douaniers spécialisés là-dedans. 900. On est 67 millions d'habitants. Il y a 80 milliards d'évasion et de fraude fiscale par an. Et ils sont 700, enfin 900 dans le meilleur des cas. C'est ridicule. Vous doublez les effectifs et en plus, ils vous coûtent pas cher puisqu'ils vous rapportent plus que ce qu'ils vous ont coûté. Donc ça aussi, c'est un des objectifs. Et il y a un objectif politique à ça, à s'attaquer à la délinquance économique et financière. C'est de rétablir le fait que les gens pensent que quand on est puissant, on est au-dessus des lois. Quand on est riche et qu'on a de l'argent, eh ben on s'en sort mieux que quand on est pauvre. Eh ben je dois dire que les faits aujourd'hui, les faits tendent à faire cette démonstration-là. Quand vous voyez Patrick Balkany, que je suis pourtant allé voir en prison, et qui est un type sympathique, hein, c'est pas le sujet, bon, je le déteste politiquement, mais c'est un phénomène. Bon, ce type est extraordinaire, dans tous les sens du terme. Il a fait une demande pour être libéré. Parce qu'il avait des problèmes de santé. Mais moi, je suis pour. Je suis pour que les gens qui ont des problèmes de santé, qu'ils soient âgés, ne soient pas en prison. Par contre, je ne suis pas pour qu'il n'y ait que Patrick Balkany qui en bénéficie. Et c'est toute la problématique de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai pris sa défense quand il est sorti de prison pour raison médicale. J'ai pris sa défense parce que j'ai dit et pourquoi tous les autres ne sortent pas, qui sont dans la même situation que lui? Et donc oui, c'est vrai qu'il y a une justice pour les puissants et une justice pour les autres. C'est pas que dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale, il est dit bah si vous gagnez plus de 10 000 euros par mois, ça sera comme ça pour vous, et si vous gagnez moins de 10 000, c'est pas ça. Mais c'est juste que dans la pratique, comme vous avez des avocats, vous êtes riche, vous avez plus d'avocats qui savent soulever des moyens de droit, qui savent un peu mettre un coup de pression au parquet, aux magistrats du siège, qui doivent décider, enfin au JLD, là, en l'occurrence du juge des libertés de la détention. Bah comme vous avez tout ça, vous avez mécaniquement plus de chances de bénéficier des choses qui sont inscrites dans le droit. Et donc, s'attaquer à la délinquance économique et financière et y mettre les moyens, pour moi, pour nous, pour la France insoumise, ça fait partie des axes principaux de la conception qu'on a d'une police républicaine. Donc, il y a à la fois le niveau local et le niveau national, et sur le terrorisme, il y aurait encore des milliards de choses à dire, et je vais m'arrêter là parce que je suis déjà un peu trop long. Donc globalement, si je comprends bien, si par exemple la droite vous demande quelles sont vos positions sur la sécurité, vous répondez déjà en grande partie, on veut restaurer une police de proximité avec un autre nom et avec d'autres principes, c'est-à-dire enfin en reprenant les principes de la police d'avant Sarkozy, mais avec des changements ceci dit.
Donc, vous avez, donc c'est comme ça que vous répondez aux accusations de la droite. Oui. Et c'est, en fait, j'invente rien. Hein. C'est ce que dans le livret sécurité qu'on a établi en 2016, qui est notre doctrine qu'on a mis noir sur blanc et qui est encore disponible en ligne. Et c'est ce que j'ai martelé sur le titre 1 de la proposition de loi sécurité globale, qui vise à donner des nouvelles missions à la police municipale. Mais j'ai dit, mais bon sang, à la fin, on ne sait plus qui est police municipale et police nationale, en fait. Vous filez des missions de la police nationale à la police municipale, ils ont des armes aussi maintenant. Ils ont des uniformes qui ressemblent, on ne sait même plus faire la différence. Arrêtons l'hypocrisie, intégrons-les à la police nationale et donnons-nous aussi les mêmes garanties démocratiques. Parce que même si ça dysfonctionne, l'IGPN, le défenseur des droits, machin, que ça n'a pas suffisamment de moyens, au moins ça existe. Ce qui n'est pas le cas pour la police municipale. Ce qui n'est pas le cas pour la police municipale. Dans ce cas-là, j'ai une autre question, puisque vous avez dit que vous connaissez tout de même le milieu policier. Avec quel acteur avez-vous travaillé pour alimenter ces thématiques? Et est-ce que vous avez parlé, est-ce que vous êtes entretenu avec des policiers, des représentants des forces de l'ordre, pour justement discuter de ces thématiques? J'aime pas trop ce terme de force de l'ordre. Et pour une raison bien simple, c'est qu'il y a le mot force dedans et ordre, et que je ne crois pas que la police se résume à la force, et pas non plus à l'ordre, parce que faut voir quel ordre. Si c'est l'ordre établi, je suis pas pour qu'il y ait des forces de l'ordre établi. Voilà. Je suis pour qu'il y ait des gens qui fassent de la paix publique et de la tranquillité publique, que ce soit la paix sociale. Bon. D'ailleurs, les policiers, leur grade, ça s'appelle gardien de la paix, encore aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Parce que c'est ça l'état d'esprit dans lequel on doit se situer. Oui, j'ai des contacts avec des gardiens de la paix, avec des gradés aussi, des officiers de la police, des commandants, enfin, des capitaines, des commandants, et aussi avec des officiers supérieurs, des commissaires, aussi avec des personnels de la gendarmerie, parce qu'il y en a parmi nos militants, premièrement. Deuxièmement, on a fait un gros travail déjà en 2016 et c'est poursuivi déjà maintenant énormément. Et il y a d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse aussi de creuser, on a mis en ligne parce qu'on a fait un colloque sur la sécurité il y a de ça 3 mois maintenant, c'était en septembre, je crois. Ouais, ça va faire 2 mois et demi, 3 mois. Avec un certain nombre d'intervenants, il y avait notamment une ancienne policière qui maintenant est à la retraite, qui anime le collectif des policiers contre la prohibition, qui sont des policiers qui sont pour la légalisation du cannabis et la dépénalisation des drogues. Il y avait des sociologues, notamment Laurent Mukeli, qui a montré une grande expertise dans les questions de statistiques policières. C'est un spécialiste des statistiques policières. Il a fait beaucoup de diagnostics de sécurité locale dans la région marseillaise. On a beaucoup travaillé avec Christian Moana, qui est l'ancien directeur du CESDIP, le centre de recherche du CNRS en politique pénale et en sécurité, qui lui a beaucoup travaillé aussi sur les relations police-population, en fait, hein, et sur la police de proximité, les différentes expériences à travers l'histoire. Avec qui on a travaillé. Bon, après, on a une personne qui travaille dans les services de renseignement qui nous a aiguillé et aidé pour rédiger toute la partie concernant la lutte contre le terrorisme dans le livret de 2006 et qui continue de travailler avec nous, qui a maintenant rédigé 2 livres, je dois en avoir un d'ailleurs dans mon sac entre mes jambes, qui est très bien fichu si ça vous dit de réfléchir sur le sujet. Et d'entendre des choses qu'on n'entend pas d'habitude, c'est Homo Terrorismus de François Tullier, donc qui lui aussi travaille avec nous. On a travaillé aussi avec les gens des ONG, la Ligue des droits de l'homme, des avocats, beaucoup d'avocats aussi, qui sont à la fois dans nos réseaux militants ou qui sont sympathisants ou qui veulent bien juste échanger avec nous. Donc c'est tout cet aréopage de personnes et de personnalités d'horizons différents. Qui ont contribué à ce qu'on a écrit en 2016 et qui maintenant continuent de contribuer, puisque notre objectif politique pour les élections de 2022, c'est d'avoir d'ici la juin 2021, la fin de la session parlementaire, d'avoir rédigé une proposition de loi cadre sur la sécurité intérieure qui mettrait en musique légistique, donc avec des articles de loi, etc. Ben ce qu'on raconte dans nos livrets, une sorte de loi déjà prête dans les cartons, au cas où nous serions en capacité de gagner en 2022. Donc, ils vont continuer à contribuer avec nous, à y réfléchir, à rédiger tout ça. Et puis, il se trouve qu'au vu des circonstances, là, en ce moment, du fait de nos positionnements sur la sécurité globale, etc.,
On a des policiers qui se tournent vers nous, qui prennent contact avec nous, qui veulent donner un coup de main parce qu'ils sont sidérés par ce qui se passe dans la police, de leurs collègues là, qui ont tabassé Michel, par exemple. Bon, voilà. Donc, il y a aussi tout ça. Pour ce qui est des organisations syndicales, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, on est en lien essentiellement avec les organisations syndicales qui, malheureusement, sont très minoritaires dans la police, mais c'est Vigie, Sud Intérieur, CGT Intérieur. Et pour ce qui est des contacts avec SGP Police FO et Alliance Police Nationale et l'UNSA, j'ai eu pas mal de contacts avec eux en début de mandat et ça s'est très vite crispé. Ils ont eu des consignes en interne pour ne plus me répondre et ne plus me voir et échanger avec moi. Donc bah voilà, donc tac, hein, je me passe d'eux. Par contre, il y a des policiers de l'UNPI, l'Union Nationale des Policiers Indépendants. Qui ont pu aussi venir contribuer. Il y en avait un qui était venu, un ancien officier à la retraite aussi, quand j'ai organisé une table ronde qui s'intitulait « Faut-il supprimer l'IGPN ?» Voilà. Et donc voilà, il y a des tas de gens qui travaillent avec nous, et donc ça, c'est vraiment indispensable et utile, parce qu'à chaque fois, en tout cas, c'est moi, j'ai à cœur de faire ça, et je pense que tous mes collègues dans le groupe parlementaire, c'est la même chose. Quand on fait une proposition, même si c'est une proposition de rupture, même si elle peut apparaître radicale et à 180 degrés par rapport à ce que fait le gouvernement actuel, je tiens à ce que ce qu'on raconte, on puisse le mettre en œuvre concrètement. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est pour se faire plaisir, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on puisse le mettre en œuvre le moment venu. Peut-être en 2-3 minutes, rapidement, il y a Edgar Provost qui nous demande sur Facebook, il y a un problème avec la police de proximité, notamment sa liaison probable avec la criminalité locale, comme on peut le voir à Marseille ou ailleurs. Vous en pensez quoi? Eh ben, Rapidement. j'en pense que justement, plutôt que d'avoir une police municipale renforcée, qui est du coup embauchée par le maire et qui peut potentiellement rester 15 ans, 20 ans, 30 ans, je préfère une police nationale de proximité, puisque dans le cadre d'une police nationale, vous pouvez imposer que sur des postes de proximité, vous ne puissiez pas y rester plus de 6 ans ou de 8 ans, et qu'il y ait une obligation de mobilité. Ça se fait déjà dans beaucoup d'administrations, ça se fait pour les chefs de la police. Tous les commissaires sont obligés de bouger à un moment donné ou à un autre. Ça se fait aussi dans les finances publiques pour des raisons de lutte contre la corruption. Quand vous êtes chef dans les directions régionales des finances publiques ou anciennement trésor public, eh ben vous êtes obligé de changer de poste à un moment donné dans votre carrière. Pour ces raisons-là. Et donc c'est ça aussi l'intérêt, effectivement. Et puis je pense qu'il faut, au-delà de l'obligation de mobilité, qui est une des garanties, mais qui n'est pas la seule du tout, il faut un contrôle. Il faut un contrôle renforcé. Et donc, il faut supprimer l'IGPN, très clairement, telle qu'elle est aujourd'hui. Ce truc ne fonctionne pas. Et il faut créer un modèle de contrôle de la police qui soit externe et indépendant. Et qui puisse avoir des moyens de sanction. C'est très important parce qu'en fait, il y a déjà un contrôle externe de la police en France qui s'appelle le défenseur des droits. Sauf qu'il n'a pas de moyens de sanction. Pour des raisons bien simples, c'est que c'est une autorité administrative indépendante, il est dans la Constitution, donc il ne peut pas empiéter sur le champ gouvernemental. Donc, je vous passe les cours de droit constitutif et les problématiques qu'il peut y avoir avec tout ça, mais en gros, s'il y avait une inspiration, je ne vais pas dire un modèle, parce qu'on ne peut pas dupliquer les choses telles qu'elles sont, mais s'il y avait une inspiration, vous avez peut-être entendu parler qu'on prenait souvent en exemple l'IOPC, qui est l'équivalent de l'IGPN en Angleterre. Puisqu'ils ont fait une réforme en 2013, il y avait eu des émeutes, machin, etc. Il y avait eu des bavures policières. Il y a eu un débat dans le pays. Leur assemblée s'en est saisie, enfin, la Chambre des Lords. Et ils ont abouti à inscrire dans la loi la création d'un organisme indépendant et externe. Alors, bien sûr qu'il y a des policiers à l'IOPC, mais ils sont là, ils donnent leur avis, leur expertise. Ce n'est pas eux qui décident de la sanction et ce n'est pas eux qui mènent l'enquête. Par contre, les enquêteurs sont des gens comme n'importe qui candidate, qui envoie son CV pour devenir enquêteur de l'IOPC sur les violences policières. Et ils ont une petite formation de jugement interne qui permet, indépendante aussi de la formation qui fait l'enquête quand même, ils ont une forme de séparation des pouvoirs internes, hein, et qui permet de prendre des sanctions administratives et pas judiciaires, parce qu'ils ont pareil, c'est comme nous, hein, il y a aussi des tribunaux, quand un policier va trop loin, il faut que ça aille au tribunal, pas que ce soit une sanction administrative, hein. Mais ils peuvent prendre rapidement, dans des délais raisonnables, une sanction administrative envers les policiers.
Et donc, les gens qui se plaignent devant cette structure en sont très contents. Même les policiers qui sont mis en cause en sont très contents parce que c'est des trucs qui ne traînent pas pendant trois plombes. Et puis, ils ont leurs sanctions. Et puis, voilà. Et puis, ça permet de chacun d'avancer, quoi. D'avancer. Donc, renforcer ce contrôle-là, ça me paraît déterminant. Et encore une fois, le policier de proximité, il faut qu'il ait affaire à la population. Mais je veux dire, dans un cadre, y compris quand je vous parlais des CLSPD qui a une réunion plénière par an, au moins une réunion plénière, on pourrait en imaginer deux, hein, où il soit confronté dans un cadre démocratique aux citoyens, ça me paraît indispensable et essentiel. Parce que qu'est-ce qui se passe sur les effectifs de proximité qui déconnent, si on prend Marseille, ou on pourrait prendre Lille pour exemple d'ailleurs, puisque dans ces deux villes-là, il y a eu des dissolutions des équipages de la BAC. La BAC, le problème, c'est qu'ils sont et en civil et qu'ils sont contrôlés par personne. Et que c'est une police de projection et d'interpellation. Ce n'est pas une police qui va boire un café. Nous avons justement une question sur la BAC juste après. Mais voilà, ils ne vont pas boire un café au bistrot, ceux-là. Et moi, je préfère les policiers qui vont boire un café au bistrot. Je serais même pour qu'ils puissent boire une bière un coup de temps en temps. Pas trop, parce que quand même, c'est pour prendre le volant, tout ça. Bon, on ne le fera pas, parce que ce serait faire machine arrière sur beaucoup de choses si on, pouvait les, si on les autorisait à boire une bière pendant le service. Mais en tout cas, vous comprenez l'état d'esprit, quoi. Je veux qu'à la fois, ils puissent, qu'ils fassent partie du corps social, en fait. Pas qu'il y ait la police d'un côté et les citoyens de l'autre, et la police qui intervient dans le corps social des citoyens. Il faut que ce soit la même chose. Et c'est ça la condition de leur légitimité, de leur autorité, de la confiance qu'on leur accorde. Donc, mais augmenter les mécanismes de contrôle, faire en sorte qu'il y ait une police nationale de proximité où on puisse avoir de la mobilité et des départs de jeux de mutation qui ne soient pas toujours les mêmes au même endroit, ça me paraît des garanties bien supérieures au mode de fonctionnement actuel. Vous venez de mentionner la BAC, nous avons une question de Sarah pendant le live. Pensez-vous que la BAC soit encore pertinente quand des études dans d'autres pays ont montré que ce principe, faire des rondes en espérant surprendre en flagrant délit, est inefficace? Alors, ça dépend ce qu'on pointe comme inefficace ou efficace. Je suis d'accord. C'est-à-dire que faire la doctrine des BAC et le fonctionnement des BAC, c'est inefficace. Voilà. J'en suis tout à fait d'accord, je pourrais faire la démonstration. C'est ce qui nous a poussé, alors on ne s'est pas fait avec des amis quand on a proposé ça, dans le livret sécurité de la France insoumise en 2016, vous avez une proposition qui est celle de dissoudre les BAC. Voilà. C'est, au moins comme ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de policiers en civil, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une police à un moment donné capable de faire des interventions comme ça, mais en tout cas, on ne peut pas avoir une unité dont le seul but, c'est ça. Mais la BAC a eu une utilité, une efficacité dans un certain cadre. Et pour certains objectifs, dans le cadre de la politique du chiffre, une BAC, c'est génial. C'est génial. Si vous avez du chiffre à faire, si vous voulez afficher de la productivité, de la production, eh ben, faites de la BAC, et notamment sur un point, ce qu'on appelle les ILS, les infractions à la législation sur les stupéfiants. Parce que l'essentiel, en fait, il y a une augmentation, si vous cherchez ILS et statistiques ILS sur le moteur de recherche, vous verrez qu'on est aujourd'hui, je crois, à 280 000 ou 300 000 ILS par an. C'est énorme. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand quelqu'un de la BAC voit quelqu'un en train de fumer un joint ou un guetteur en train de dealer, ce qui est quand même pas trop compliqué à trouver, en fait, hein, quand vous faites un petit effort, hein, je pense que chacun de vous qui êtes dans leur live, si je vous affectais à la BAC, vous sauriez où aller. Hein, vous soyez consommateur ou pas, d'ailleurs, peu importe. Et en réalité, ce qui est génial, c'est que quand vous faites ce genre d'infraction, vous avez un fait et qui est tout de suite élucidé parce que c'est du flagrant délit. Donc, votre taux d'élucidation, il est toujours de 100% et vous pouvez en faire plein dans la soirée. Vous pouvez en faire 4, 5, 6, 7, 8, 10 bâtons dans la soirée. Et donc, les BAC ont été survalorisés dans les commissariats de police et continuent de l'être. Parce que c'est le principal outil de la politique du chiffre mise en place par Nicolas Sarkozy. Et comme les primes des chefs sont assises sur la productivité qu'ils ont et leur capacité à avoir un bon taux d'élucidation et un chiffre de la délinquance, de lutte contre la délinquance qui soit bon, ces unités ont été mises en avant, chouchoutées, choyées. On leur a dit bah, « allez-y, faites ce que vous voulez, carte blanche ». Bon. Et donc, ça a créé un effet de système qui est dramatique. Mais c'est clair que c'est déplorable du point de vue des relations police-population. C'est déplorable parce que quand je vous parlais d'augmenter le niveau de tension, d'escalade et de désescalade, une BAC, c'est une unité d'escalade. Voilà. Et donc, peut-être que des fois, ils vont effectivement choper un trafiquant, etc., mais ils ne vont jamais démanteler un réseau. D'ailleurs, il y a très peu d'effectifs de la BAC qui sont des officiers de police judiciaire. Ils ne font pas d'enquête de long cours.
Ça, c'est le métier de la police judiciaire, qui, elle, est sous-dotée, qui, elle, manque de moyens. Donc, voilà pourquoi on fait un flot incessant d'équipages de la BAC, d'interventions qui vont choper un type qui fume un joint, un mec qui fait le guetteur, un mec qui est en train de dealer, mais qui n'a pas grand-chose sur lui, parce que quand même, ils sont un peu organisés, il ne faut quand même pas déconner. Et finalement, la PJ qui galère, mais de toute façon, tout le monde s'en fout que ça ne fonctionne pas. Parce que du point de vue de la politique du chiffre, tout le monde y retrouve ses petits. Oui, il y a eu un problème de connexion. Les 30 dernières secondes ont été coupées. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ma connexion est instable. C'est le réseau de l'Assemblée nationale. Je dis pas rien. Je sais qu'il n'est pas terrible. Je disais que du coup, vaut mieux, plutôt que de démanteler un réseau quand vous êtes un équipage BAC, vaut mieux prendre quelques mecs qui fument un joint, quelques dealers, parce que de toute façon, comme ça, vous les reverrez le lendemain et vous êtes sûr de vous assurer des bâtons tous les jours. Quoi. Ben voilà, c'est génial. C'est sans fin. Bon, tout le monde s'y retrouve, quoi. D'où la nécessité de légaliser le cannabis. Bon, il y aura plein de débats à avoir sur le sujet. Mais je vous laisse. C'est effectivement un autre sujet. C'est un autre sujet, mais c'est le même en réalité. Hein. Oui, tout est lié. C'est l'activité policière. Puisque je rappelle quand même, la statistique, c'est que quand les policiers ne sont pas au bureau, 56% de leur temps, en dehors du bureau, c'est sur les infractions à la législation des stupéfiants. 56% de leur temps dehors. Bon, ben, moi, je préférais qu'on lutte contre les trafics, contre les cambriolages. Il me semble qu'en France, il y a une des politiques les plus répressives. Oui. Depuis les années 70, on a la politique la plus répressive et qui pénalise le plus sur les stupéfiants. Et on est le pays d'Europe qui consomme le plus de stupéfiants en proportion de la population. Voilà. Donc, s'il fallait démontrer que ça, c'est inefficace, les chiffres parlent d'eux-mêmes et depuis des années. Très bien. Une autre question. L'article 24, c'est celui qui a été le plus médiatisé et c'est le principal point de crispation. La saisie du Conseil constitutionnel par Jean Castex, vous rassurera-t-elle? Non, mais je ne sais pas à quel jeu il joue parce que je pense qu'il fait ça pour rassurer les siens. D'abord, pas pour nous rassurer nous, pour rassurer les députés de La République En Marche. Parce que je vous signale qu'il y en a quand même 30 qui se sont abstenus et 10 qui ont voté contre au sein de La République En Marche. C'est pas dégueulasse comme score. Hein. Ça fait 40 qui ne sont pas hyper chauds pour le texte. Alors même qu'ils ont déjà une trentaine de députés qui ont quitté leur groupe, hein, je vous rappelle. Donc, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup tout ça. Hein. Donc, il le fait d'abord pour ça. Non, ça ne me rassure pas et ça ne m'embête pas non plus. Enfin, je veux dire, je m'en fiche parce que de toute façon, on sera 60 parlementaires pour déposer une saisine du Conseil constitutionnel sur l'article 21. Et j'espère qu'on pourra soulever d'autres articles d'ailleurs. Moi, je suis pour qu'on soulève des problèmes de constitutionnalité sur au moins la moitié des articles du texte. On verra parce qu'il faut être 60 à être d'accord sur tous les articles qu'on pointe devant dans une saisine du Conseil constitutionnel. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Mais le 24, c'est sûr, vous en aurez 60. Que ce soit le Parti communiste, le groupe socialiste et nous. À nous trois, on a plus de 60 députés. Donc, il y aura une saisine du Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que Jean Castex dit qu'il va saisir le Conseil constitutionnel qu'il n'y aura pas une censure. Il y a eu des précédents textes où ils ont dit que la dernière loi anti-casseurs, il y a eu des dispositions qui se sont fait censurer par le Conseil constitutionnel. Et c'est Emmanuel Macron qui a dit qu'il allait le saisir. Bon. Donc, après, je ne mettrai pas un billet non plus. J'en sais rien. Je n'ai pas la certitude que le Conseil constitutionnel valide les choses et je n'ai pas de certitude non plus qu'il les invalide. J'en sais rien. Voilà. Mais on le fera. En tout cas, nous, on le fera. On saisira le Conseil constitutionnel et on a des arguments à faire valoir en la matière. Et j'ai retrouvé d'ailleurs dans les arguments à faire valoir, donc il y a les articles 12 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Comme chaque assez en bon constitutionnaliste, la DDHC est dans le bloc de constitutionnalité et ces articles sont opposables à des lois qui sont votées. L'article 12 dit « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, c'est important, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, c'est-à-dire le gouvernement. » Et article 14, ça c'est pour l'instrumentalisation politique de la police.
Article 14, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, c'est important, par eux-mêmes ou par leurs représentants, c'est notamment moi, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette et le recouvrement dans la durée. Donc ça, c'est pour la contribution publique et je ne sais plus... et l'article 15, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Voilà. Et donc, pour, quoi de mieux pour demander des comptes que le fait que les policiers agissent à la vue de tous et de toutes. Ça me semble être déterminant et indispensable. Donc, voilà, par exemple, ce qu'on peut mobiliser dans un recours au Conseil constitutionnel. Il n'y aurait pas que ça, mais il y a notamment ça. Après, il y a la question de la proportionnalité des peines et des délits. Il y a un principe constitutionnel aussi. On peut pas mettre une peine, j'en sais pas moi, une peine de 20 ans de prison pour avoir fait un croche-pied à quelqu'un dans la rue. Voilà, ce serait le Conseil constitutionnel de censurer la disposition en la jugeant disproportionnée. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. On peut avoir un peu d'espoir quand même. De manière très courte, lors d'un débat à l'Assemblée nationale, vous avez pointé une convergence entre La République En Marche et le Rassemblement national. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur ce point ? Oui, et ce n'est pas la première fois. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on a des convergences entre La République En Marche et le Rassemblement national. Alors, ça pousse tout le monde à être dans la surenchère. Et donc, du coup, à la fin, vous avez le Rassemblement national qui dit « Oui, c'est bien, vous avez repris nos propositions, mais vous devriez aller plus loin. » Et d'ailleurs, les Républicains font pareil, ce qui fait que ça pousse les curseurs extrêmement loin. Le Rassemblement national propose depuis longtemps qu'on ne puisse pas filmer les policiers et qu'on ne puisse pas les mettre en cause et de modifier les sanctions et les peines quand on s'en prend à des policiers. Ça a été en partie fait, c'est l'article 23 du texte de loi qui dit que quand vous en prenez à une personne dépositaire de l'autorité publique, vous n'avez plus droit au dispositif des réductions de peine automatiques. Bon, c'est un peu compliqué comme truc parce qu'il faut connaître un peu le fonctionnement pénal, mais en gros, je vous la fais courte, quand vous êtes condamné à un an de prison, si vous vous comportez bien, vous ne ferez pas un an, en fait, vous ferez 8 mois ou quelque chose comme ça. Et donc, les 2 mois de réduction de peine automatique vous sont attribués automatiquement si tout va bien en prison. Ce qui est une manière aussi de gestion de la détention et en prison, qui permet de dire à celui qui déconne en prison et qui ne rentre pas dans un parcours pour se réinsérer, gérer sa peine normalement, on peut lui supprimer ses réductions de peine automatiques. Mais c'est à la disposition du chef d'établissement pénitentiaire en lien avec le juge d'application des peines. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'exécution des peines. Et ben ça, l'article 23, ça a été fait. Voilà, l'article 24, le fait de ne pas filmer les policiers. La surveillance de masse, le fait qu'on puisse utiliser caméras piétons, que ça puisse être filmé en direct, utiliser des drones, que ça puisse être filmé en direct, qu'il puisse y avoir derrière des algorithmes de reconnaissance faciale, parce qu'on a essayé de faire des amendements pour interdire la reconnaissance faciale, et ils n'ont pas voulu. Je dis non, ce n'est pas l'objet de cette loi. Ils sont malins, parce qu'en fait, en l'état actuel du droit, vous pouvez expérimenter la reconnaissance faciale, puisque ce n'est pas interdit. C'est pas autorisé non plus, mais c'est pas interdit. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ah, bon, alors ça marche pas dans toutes les matières, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mais disons que c'est un principe qui quand même fonctionne un minimum, et en tout cas pour la reconnaissance faciale et l'expérimentation, ça fonctionne. Et donc cette société panoptique où on surveille tout le monde tout le temps partout, c'est une des revendications du Rassemblement national, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Et donc on y est, l'armement, l'usage des armes en dehors du service et que les policiers puissent avoir leurs armes tout le temps partout, c'est une vieille revendication aussi du Rassemblement national. Bon voilà, elle est aussi dans ce texte. Alors on pousse le curseur un peu plus loin puisque là ils pourront vraiment l'avoir tout le temps partout, puisqu'il est indiqué dans le texte que les policiers ne peuvent se voir refuser l'entrée dans un établissement recevant du public parce qu'ils portent leur arme à feu. Mais déjà ça faisait longtemps. Sur le texte asile-immigration, sur le fait d'allonger la durée de rétention, qu'on passe de 30 à 90 jours de durée de rétention en centre de rétention administratif pour renvoyer les personnes en situation irrégulière. C'est une revendication du Rassemblement national, La République En Marche l'a fait. Et même sur des choses toutes bêtes, l'augmentation du SMIC par un complément de revenu versé par l'État. Marine Le Pen était pour augmenter le SMIC
par un complément de revenu de 150 euros. Alors, le financier, elle disait le financier en mettant une taxe aux frontières sur les produits d'importation. Ok, bon. Why not? Je suis en désaccord avec ça, mais c'est pas grave. Mais je suis pour mettre un protectionnisme aux frontières, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons et pas pour faire la même chose. Mais c'est pas grave. La République En Marche a fait cette augmentation du SMIC par je ne vais pas retrouver le nom, je suis en train de chercher dans ma tête, je ne vais pas y arriver. Vous allez à la CAF et vous l'avez. Il l'augmentait d'ailleurs avec les Gilets jaunes, ça faisait partie des 10 milliards d'euros. Je ne vais pas retrouver le nom, vous avez compris, mais cette revendication-là, donc en fait, ce n'est pas une augmentation du SMIC, c'est que l'État vous donne des sous en plus. Puisque si on augmentait le SMIC, ça serait reporté sur l'employeur. C'est lui qui serait chargé de payer davantage, en net et en brut. C'est les cotisations sociales aussi qui vont avec. Donc, ça n'a rien à voir avec une augmentation du SMIC, en réalité. Et bien, ça, c'était dans la revendication du Rassemblement national. La République En Marche l'a fait. La loi anti-casseurs, ça faisait partie aussi des revendications du Rassemblement national, de dire tous les organisateurs de manifestations qui n'ont pas déclaré une manifestation peuvent être arrêtés. Voilà, bon, ben, c'est tout, ils l'ont fait. Etc., etc., etc. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Et du coup, pour des gens qui disent vouloir combattre le Front National et être le principal rempart au Rassemblement National, parce que c'est ça leur objectif, c'est d'être au deuxième tour face à Marine Le Pen une nouvelle fois pour 2022, je crains que, d'une, ce n'est pas vrai, et en plus, c'est une mauvaise stratégie. Faudrait pas qu'on... La prime à laquelle vous faisiez référence, c'est la prime d'activité, peut-être. La prime d'activité, merci. La prime d'activité, merci beaucoup. Donc, ça commence à faire beaucoup. La loi sur les fake news, c'est-à-dire contrôler l'information et dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Jamais aucun gouvernement s'y était aventuré de vouloir essayer de faire comme ça de la censure à ce niveau-là. Il y a déjà des textes sur la censure. Oui, vous pouvez pas publier un livre pour raconter absolument n'importe quoi, pour appeler à la haine. Il y a quand même la liberté d'expression est bornée. Mais n'empêche que là, de dire ce qui est vrai ou pas dans une information, c'était un peu ambitieux. D'ailleurs, le gouvernement avait tenté à un moment donné, ça crée un tollé. Ils avaient fait sur le site des sites gouvernementaux et du ministère de la Santé, ils avaient listé les articles de presse qui étaient les bons articles de presse pour parler du Covid. Et ils avaient listé les mauvais articles de presse. On croit rêver, quoi. C'est pas possible, ça. Une société de surveillance, de contrôle, une société autoritaire comme celle-là. Et puis, la loi, finalement, c'était en janvier 2017. Alors, ils ne sont pas allés aussi loin que ce que voulait le Rassemblement national, mais on était dans la trajectoire, c'est de mettre l'état d'urgence dans le droit commun, sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme. Enfin, voilà, je sais pas, en plus, c'est parce que j'ai plus tous les textes de loi qu'on a votés depuis 3 ans, parce qu'il y en a tellement que c'est compliqué de se souvenir de tout, mais je pourrais vous faire la liste comme ça, des comparaisons avec le programme du Rassemblement national, et malheureusement, c'est accablant. C'est accablant. C'est pour ça que je me suis permis d'appeler le ministre de l'Intérieur, Gérald Le Pen. Je trouvais que ça allait aller plutôt bien. Et puis aussi parce que Marine Le Pen, dans sa discussion générale sur le texte, elle a dit, c'est elle qui dit, enfin, nous avons été entendus par le gouvernement. Voilà, ça commence comme ça. Alors, elle dit, vous pourriez aller plus loin, faire plus, machin, mais de toute façon, on votera. Et ils ont voté pour à la fin. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Les faits sont là, hein. Merci pour votre réponse. Et on a une dernière question clairement sur le sujet de la sécurité globale. Ensuite, on aura deux petites questions annexes. L'Assemblée nationale, il me semble, a adopté le texte en première lecture, alors que pendant ce temps-là, il y avait des mobilisations populaires qui sont assez conséquentes, surtout pendant cette période de confinement. Comment expliquez-vous que des députés prennent si peu en compte l'opinion publique? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs niveaux de réponse, parce qu'en soi, c'est pas normal. Mais je vais faire une réponse un peu globale. Macron, quand il arrive au pouvoir, on le surnomme Jupiter, lui-même se fait surnommer Jupiter, pour une raison assez particulière, c'est qu'il pense que la France est sclérosée du fait des corps intermédiaires. Que les corps intermédiaires sont un problème pour réformer le pays, que les syndicats sont un problème, syndicats d'ailleurs pas que les syndicats ouvriers, hein, les syndicats patronaux aussi, que les corporations sont des problèmes et que les textes de loi à chaque fois s'embourrent parce que quand on consulte telle ou telle corporation, on se dit ah oui, non, faut pas les brusquer, faut pas, donc finalement on fait rien, c'est l'immobilisme. C'était son discours, c'est ce qu'il racontait.
Et ben, il se trouve qu'il l'a mis en œuvre, ce qu'il racontait, et qu'il a dit, bah voilà, quand les corps intermédiaires viennent me voir et me disent qu'ils ne sont pas d'accord avec mon texte de loi, je leur dis, allez vous faire voir, allez vous faire voir, j'ai été élu, j'ai eu la majorité aux élections présidentielles, j'avais un programme, je l'applique. Point. Et donc, bon là, ça ne vaut pas pour sécurité globale, parce que ce n'était pas dans le programme, hein, comme plusieurs autres aspects, mais je passe. Mais pendant les deux premières années et demie, l'argument le plus utilisé dans l'hémicycle par nos collègues de La République En Marche, c'était de dire, mais pourquoi vous contestez ce projet de loi, vous les oppositions, c'était dans notre programme, les Français ont voté pour, maintenant vous vous taisez, on applique. Alors on l'a expliqué ce que c'était une démocratie, hein, que même s'il y avait des gens qui avaient voté pour, eh ben, il y avait quand même une majorité des oppositions, et que ben, peut-être qu'ils se sont plantés dans leur programme, et peut-être que les gens n'ont pas voté pour, dans le détail, chacune des propositions qu'ils voudraient. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les électeurs d'Emmanuel Macron, ne serait-ce qu'au premier tour, soient capables de me réciter ce qui était prévu dans le programme, chapitre par chapitre. Et encore, heureusement, peut-être, je ne sais, enfin, sais pas si c'est heureusement, parce que j'aimerais bien que les gens maîtrisent les programmes pour lesquels ils votent. Ça me rassurerait un peu davantage. Peut-être que les votes seraient différents. Mais donc, c'était ça, son idée politique. Donc, il continue de l'appliquer. Ça n'a pas changé. Sur le texte fonction publique, par exemple, sur la réforme de la fonction publique, il y a ce qu'on appelle un conseil supérieur de la fonction publique, avec toutes les organisations syndicales de la fonction publique. Elles sont 9 organisations syndicales. C'était la première fois depuis la 5e République. C'était la première fois qu'il y avait un vote à l'unanimité de toutes les organisations syndicales contre le texte de loi sur la fonction publique. Mais toutes. C'est-à-dire que d'habitude... Même nous, on le dit bon, dans les réseaux militants, on dit oh, bah, de toute façon, la CFDT, elle va voter pour. Il n'y a que la CGT, Solidaires qui vont voter contre, comme d'habitude. Il y a un syndicat jeune, regardez, ils ont signé avec le gouvernement, c'est toujours les mêmes, etc. Là, tout le monde contre. Même la CFE, CGC, tout le monde. Est-ce qu'ils en ont tenu compte? Est-ce qu'ils ont modifié le moindre article de leur texte de loi? Non. Rien. Que dalle. Rien. Rien. Moi qui me suis intéressé beaucoup aux questions de justice, le projet de loi de programmation 2018-2022 sur la justice, pareil, les syndicats, la majorité des syndicats de magistrats s'opposent au texte. Les organisations représentatives des avocats, le Conseil national des barreaux et la conférence des bâtonniers s'opposent, ils font des votes en interne. C'est la première fois depuis qu'ils existent qu'ils ont des votes à quasi-unanimité, une contre, une abstention, pour s'opposer au texte de loi sur la justice. Alors quand on connaît les avocats et leur capacité à s'embrouiller entre eux, c'est-à-dire que c'est un métier où les gens sont très divers. Quand vous avez des votes à l'unanimité, c'est un signe. c'est que quelque chose ne va pas bien. Pareil, Nicole Belloubet, elle est passée en force en mode tout droit, allez, on y va, on s'en fiche. Sur les retraites, on a vu comment ça s'est passé. Bon, heureusement, il y a eu le Covid, mais donc c'est dans leur ADN et dans leur idéologie politique, dans leur mode de fonctionnement, dans leur conception de ce que c'est que de réformer le pays quand on est libéral et qu'on s'appelle Emmanuel Macron. Donc voilà pourquoi ça ne m'étonne pas que sur sécurité globale, il ait le même point de vue que sur tous les autres textes où on a vu les mêmes éléments produire les mêmes effets. Très bien, merci. Donc, vous n'êtes pas complètement d'accord avec moi. Non, vous avez raison. C'est pas ça, c'est juste que... vous avez dit que Macron est un libéral et ça m'a touché. Ah ben, pour décrire le personnage. Alors, en fait, c'est parce qu'en France, en politique française, quand même, libéral, ça a une connotation particulièrement économique. Négatif quand on est de gauche, effectivement, mais quand on est de droite, c'est pas un gros mot, normalement. On se revendique plutôt d'être libéral, économiquement. Et chez les anglo-saxons, quand on est libéral, c'est notamment économiquement, mais c'est aussi sur les questions justement de liberté fondamentale, etc. Et là où Emmanuel Macron a changé quand même de cap, clairement, c'est qu'il avait promis qu'il était le candidat des libertés fondamentales, libertés individuelles, etc. J'invite à ceux qui sont curieux et qui sont en train de nous regarder à mettre Macron, je vais chercher en même temps sur le moteur de recherche si je tombe tout de suite sur la vidéo, Macron quotidien, violence policière. Normalement, vous mettez ça. Est-ce qu'on tombe direct dessus? Vous trouvez l'archive de quotidien qui tombe très mal pour Macron sur YouTube. Et vous voyez Emmanuel Macron
face à deux jeunes des quartiers qui leur expliquent qu'il se faut contrôler tout le temps, qu'il y a des violences policières, que c'est inadmissible. Bah, je vous laisse regarder, de toute façon, vous verrez l'extrait. Et donc, je comprends que beaucoup de gens aient pu être séduits parce qu'ils n'ont rien de trop à reprocher. Des gens qui s'en sortent bien dans la vie, qui, voilà, qui aujourd'hui, le système économique tel qu'il est, font que ça se passe bien pour eux. Et qui se sont dit, bah, ce type, il est progressiste. D'ailleurs, c'était le mot qu'il avait mis en circulation. Il se revendiquait d'être du camp des progressistes. Et il se disait, d'ailleurs, sur les libertés, bah, il y aura la PMA pour toutes, il y aura un certain nombre de choses comme celle-là. Il va faire avancer les libertés, il est pour la liberté de la presse, etc. Bon. Et tout ce construit intellectuel du libéral dans tous les domaines s'effondre. Et nous, notre analyse politique, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus d'adhésion de la population au capitalisme et au libéralisme financier et financiarisé tel qu'il est aujourd'hui. Et que pour faire adhérer les gens, on n'a plus d'autre choix que de les contraindre à adhérer au système. D'où le fait qu'on soit dans un régime libéral autoritaire, libéral au sens économique et autoritaire sur tout le reste. D'accord. Et dans ce cas-là, on va arriver enfin à un sujet annexe. C'est la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2022. C'est pas un sujet annexe. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet important, bien évidemment, mais c'est un sujet annexe à notre question principale. C'est ce que je veux dire. C'est donc, la première question, c'est comment avance déjà la campagne ? Bah bien. Alors, attendez, je vais regarder à combien on est de signatures. Je crois qu'on était à 183 000 hier. On est, ben voilà, 184 000, je crois qu'on est à un rythme de 1 000 signatures par jour. Jean-Luc a lancé la dispositif de parrainage citoyen. Il avait dit, à partir de 150 000, je déclare ma candidature. Bon, alors en 48 heures, on a eu les 150 000. Alors, personne ne nous croit quand on nous dit que ce n'était pas ce qu'on avait prévu, quoi. Non, ce n'était pas ce qu'on avait prévu. On avait prévu que ça durait 2-3 semaines, peut-être un mois, et qu'on allait pouvoir avoir le temps et de faire un autre moment politique, une nouvelle conférence de presse en disant « ça y est, j'ai les 150 000 au bout d'un mois voilà. ». On ne se faisait pas trop de soucis sur le fait de les avoir, mais c'était ça le calendrier. Et puis voilà que les gens signent comme des dingues en 48 heures. Bon, heureusement, ils passaient sur BFM à ce moment-là, et donc ça s'est plutôt bien goupillé. Donc la campagne, de ce point de vue-là, pour réunir un socle de mobilisation populaire pour pouvoir faire campagne, c'est très bon signe. Évidemment, quand vous avez fait 7 millions de voix, si vous avez 150 000 soutiens, ça paraît pas beaucoup. Mais je mets quand même au défi tous ceux qui pointent du doigt que 150 000, c'est pas beaucoup, de faire pareil. Voilà. Et après, on en recause. Parce que c'est pas si simple la mobilisation politique que ce qu'on croit. Et voter, mettre un bulletin de vote dans une urne, c'est pas pareil que de s'impliquer dans une campagne et de soutenir activement un candidat. Donc, de ce point de vue-là, ça va très bien. Et puis du point de vue politique, ça a permis de nous mettre quand même en situation d'être dans l'alternative, c'est-à-dire de dire voilà, on propose une alternative et on se situe la candidature de Jean-Luc, y compris pendant la période d'état d'urgence sanitaire et du confinement et tout ça, on dit voilà, nous on saurait faire différemment et voilà comment on ferait différemment, d'où la conférence de presse qui a eu lieu d'ailleurs hier pour notre plan alternatif de déconfinement ou de non-reconfinement, plutôt dire comme ça, puisque là, de toute façon, au point où on en est, de toute façon, on n'a pas le choix que de suivre les dispositions gouvernementales, mais comment on ferait différemment pendant les 2 mois, les 3 mois à venir et pour la suite des événements. C'est important, et c'était déjà finalement la conception qu'on avait en 2016, comme je vous l'ai dit, avec ces livrets thématiques qui étaient des proto-programmes gouvernementaux, d'aller encore plus loin dans cette démarche-là et de proposer une alternative. Et ça met Jean-Luc Mélenchon à la posture de candidat. Et puis, ça dit aussi aux autres organisations de gauche, ben maintenant, il est temps de vous positionner. Voilà, nous, on a un programme, on a un candidat, on accueille qui veut bien, on peut discuter de tout, il n'y a pas de problème, mais maintenant, il faut que vous nous racontiez ce que vous voulez faire. Parce que c'est bien beau de dire, je ne sais pas, moi, l'unité de la gauche, machin, etc. Moi, dans l'absolu, si on est tous ensemble, ça me va, hein, il n'y a pas de problème. Mais pour faire quoi, quel programme, à quelles conditions. Et je suis d'autant plus regardant sur le sujet, pour relier à notre discussion sur la sécurité globale, que j'ai vu, par exemple, prétendant au trône au sein du gouvernement, enfin, du gouvernement, j'ai dit un gouvernement socialiste, mais non, mais c'est les socialistes, Anne Hidalgo nous expliquait qu'elle était tout à fait favorable à l'article 24.
Bah moi, si c'est ça, non merci, qu'elle fasse candidat et candidate dans son coin et pas avec nous, il n'y a pas de problème. Hein. Puis les gens, ils mettent le bulletin de vote, ils sont pour l'article 24, ben, et puis ils pensent être un peu de gauche, ben, ils font Hidalgo, ils sont contre l'article 24, ils votent pour nous. Moi, je ne veux pas qu'on trompe les gens, y compris sur ce qu'on va faire ensuite. Quand vous portez un programme de rupture, si les gens votent pour, il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre, ce qu'on va mettre en œuvre. Pas qu'ils le découvrent en disant Ah, c'était ça qu'ils voulaient faire, en fait, je n'avais pas bien compris. Non, 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 il faut que tout le monde ait bien compris ce qu'on veut faire. Et c'est aussi pour ça qu'on part aussitôt en campagne, comme les fois précédentes, un peu plus tôt que les fois précédentes, faut le dire, parce qu'on a à cœur de convaincre, on n'est pas là pour se cacher, on ne fait pas de la com, on ne fait pas du marketing, on a des propositions politiques et on a besoin de les mettre en circulation, de les discuter, de les confronter. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça s'appelle une démocratie, une élection et on utilise des bulletins de vote pour ça. Et vous, Monsieur Bernalicis, que préparez-vous pour 2022? Alors déjà, moi j'ai proposé ma candidature pour les élections régionales là, qui arrivent. Alors il y a des débats au sein de la gauche avec les écologistes, les socialistes, etc. Puisque dans les Hauts-de-France, on est dans une situation particulière. Il n'y a plus de gauche dans l'hémicycle régional. C'est un face-à-face entre le Rassemblement national et Xavier Bertrand. Donc ça pousse à avoir des discussions collectives et communes. Donc pour moi, c'est l'échéance là, en plus du taf à l'Assemblée. Parce que là, je n'ai pas fini avant la fin de l'année. Il y a la réforme du Parquet européen qu'on a commencé en commission qui va revenir dans l'hémicycle bientôt. La semaine prochaine en commission, on a la réforme de l'ordonnance de 45 du Code de justice pénale des mineurs qui est un énorme morceau qui va me prendre encore une énergie comme c'est pas possible. Mais voilà, il y a le taf parlementaire, il y a les questions des élections régionales. Et sinon, pour 2022, ben moi, je vais. On verra de quoi sera fait l'avenir, hein, mais. A priori, je serai candidat à ma propre succession en tant que parlementaire. Et puis, si on gagne, je crois qu'on est en capacité de gagner en 2022. Ça ne va pas être facile, comme c'est sûr, mais je pense qu'on a une possibilité de gagner. Je serai très honoré de participer au futur gouvernement de la France insoumise et j'ai quelques compétences à faire valoir au ministère de l'Intérieur. D'accord, donc vous avez des ambitions gouvernementales, mais de toute façon, vous serez candidat à votre réélection en Oui, 2022. oui, oui. Oui, alors après, dans nos statuts, on a dit pas plus de deux mandats. Donc là, j'en aurais fait un, ce sera le deuxième. Et puis après, ben voilà, après, je retournerai dans l'administration, je ferai autre chose, j'ouvrirai une brasserie, je ferai de la bière, j'en sais rien. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout Allez, cas, ça marche bien, ça va. ouais, il y a la concurrence. Mais en tout cas, pas plus de deux mandats de parlementaire et je m'y tiendrai parce que, en plus, c'est passionnant, c'est exaltant, c'est génial. Ça, c'est la face visible du décor, et puis il y a la face moins visible qui fait que ça déstructure quand même votre vie, quoi. C'est un rythme qui est complètement dingo. Vous n'avez plus le temps de voir vos potes. Enfin, voilà, c'est plus la même vie, quoi. C'est autre chose. Et je pense que c'est sain de faire autre chose à un moment donné. Bien écoutez, moi je n'ai plus de questions et il me semble qu'il n'y a plus de questions non plus dans le chat en live. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous de nous Avec avoir plaisir. regardés. Et bien j'espère qu'on se reverra une autre fois et non pas avec un webinaire à distance, mais cette fois-ci en présence parce que c'est sympathique aussi. On pourra boire une bière après comme Bien sûr. ça. Évidemment. Merci beaucoup. Merci Bonne à vous, soirée, bonne merci pour continuation. l'invitation. Bonne soirée. Merci. Au revoir.